Est-ce que vous entendez le vent? Est-ce que le vent vous décoiffe? Alors je ne comprends pas. Car alors que vous êtes assis, tranquillement, sans bouger, vous demandant où je vais vous conduire, vous êtes en train de tourner à 1000 km/h autour de l'axe de la Terre. Là, en ce moment, vous êtes à plus de 1000 km/h. Et je vois les cheveux de ces dames qui ne frissonnent pas. Et les cheveux des messieurs non plus. Comment est-ce possible? Mais ce n'est pas tout. Car non seulement vous tournez à 1000 km/h autour de l'axe de la Terre, mais vous tournez à 106 000 km/h autour du Soleil. En 365 jours, vous faites une ellipse complète autour de notre étoile favorite que nous appelons le Soleil. Donc 1000 km/h, 106 000 km/h autour du Soleil. Et pas une mèche de vos cheveux ne bouge. Donc c'est pas vrai. C'est pas possible, je dis des mensonges. Je suis un illuminé. D'autant que ce n'est pas tout. Nous sommes dans une galaxie qui comprend 140 milliards d'étoiles, c'est-à-dire de soleils plus ou moins grands que le nôtre. Et nous sommes sur le bord de la galaxie. Et là, nous tournons à 800 000 km à l'heure. Donc vous imaginez, alors que vous ne bougez pas, que vous ne sentez pas le moindre vent, vous tournez à 1000 km/h autour de l'axe de la Terre, vous tournez à 106 000 km/h autour du Soleil, et vous tournez à 800 000 km/h parce que notre étoile, elle est sur le bord de la galaxie. Incroyable! Mais ce n'est pas tout. Car notre galaxie s'éloigne du point original d'explosion du Big Bang. Et là, nous sommes à 2 300 000 km à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, nous parcourons le trajet Paris hier en avion. À chaque seconde. 640 km par seconde. Et je ne vois toujours pas la moindre mèche de ces dames qui frissonnent. Donc, absurdité, évidemment. On ne peut pas tourner à 1000 km/h comme ça, à 106 000 km/h autour du Soleil, à 800 000 km/h sur le bord de la galaxie, à 2 300 000 km/h dans la galaxie qui s'éloigne d'un point d'explosion original et qui accélère. Et qui accélère. Jean-Pierre nous dira sans doute pourquoi tout à l'heure. Je vais vous poser une deuxième question. Quel âge avez-vous? Il y en a qui vont me dire 18 ans. Les filles vont me dire 16 ans, elles ont toutes entre 16 et 18, à peu près à vue de nez comme ça. Les messieurs 30-35 ans, la force de l'âge. Eh bien, je suis au regret de vous dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, comme disait Léon Zitrone à la télévision, que vous avez tous plusieurs milliards d'années, car vous êtes constitués d'atomes qui ont appartenu à des millions de vies avant vous et qui appartiendront à des millions de vies après vous. Ce qui veut dire qu'en chacun de vos corps, il y a sans doute un atome qui a appartenu à Napoléon, à Ramsès II, à Mahomet, à la Vierge Marie, à qui vous voulez. Parce que comme nous sommes composés de milliards d'atomes, dans un jeu de construction infinie. Parce que quand on meurt, eh bien les atomes qui nous constituent, que l'on se fasse enterrer et puis que nos corps aillent dans la terre en quelques dizaines d'années ou en quelques siècles, ou que l'on se fasse incinérer, ce qui est beaucoup plus rapide, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc les atomes qui nous constituent vont servir à créer d'autres vies.
Donc, quand on réfléchit à ça, aux vitesses hallucinantes qui sont les nôtres aujourd'hui, et qui vont vous permettre, lorsque vous serez arrêté à 57 km/h par un gendarme ou un policier dans une ville, et qui vous dira « Bonjour madame, contrôle de police, à quelle heure, à quelle vitesse pensez-vous que vous rouliez ?» Alors vous direz, bah, c'est très simple, monsieur le policier ou monsieur le gendarme, là, comme ça, autour de l'axe de la Terre, j'étais à 1000 km/h, autour du Soleil à 106 000 km/h, dans le bord de la galaxie à 800 000 km/h, et la galaxie est à 2 300 000 km/h, et en plus, monsieur le policier ou le gendarme, on accélère. Et le policier va tout de suite appeler son chef en disant, alors, je ne sais pas ce qu'elle a pris, celle-là ou celui-là, mais elle y est allée fort sur le pétard. Hein. Bon, alors, descendez de voiture, vous êtes en garde à vue, etc. Et devant un juge, ce que vous direz et ce que répétera votre avocat est absolument incontestable. C'est de la science pure. Donc, vous ferez rire tout le tribunal et on dira, bon, vous étiez à 57 années. On passe l'éponge parce que au moins vous nous avez fait rire et peut-être que vous, en plus vous nous avez appris quelque chose. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes assis sur quoi? Sur une chaise. Oui. Une chaise. C'est du solide, sinon vous passeriez à travers. Pourtant, vous êtes assis sur du vide. Parce que la chaise, comme vous-même, est constituée d'atomes, que ces atomes sont reliés entre eux avec une certaine densité, qui varie d'ailleurs d'un produit à un autre, parce que vous aurez beaucoup de mal à déchirer la chaise avec vos mains, sauf si vous êtes un athlète exceptionnel. En revanche, une feuille de papier, vous pourrez la déchirer. Et quand vous déchirez une feuille de papier, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous séparez des atomes, d'autres atomes, vous cassez le champ qui les relie. Tout cela pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous sommes dans un monde où il faut que tout soit dans notre logique. Bien sûr qu'on est assis, on ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'on est à 100 000 km/h, à 800 000 km/h, mais tout ça, c'est pas possible. Puisque je suis assis, je ne bouge pas. J'ai la preuve que nous ne bougeons pas. Je suis sur ma chaise, je ne bouge pas. Et pourtant, ce que je vous dis, c'est la vérité. Et puis il nous dit quoi? Je n'ai pas 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. J'ai plusieurs milliards d'années, peut-être plus de 10 milliards d'années pour certains de mes atomes, mais c'est n'importe quoi. C'est la vérité. Et puis il nous dit quoi? Il nous dit que je suis assis sur le vide. Mais si j'étais assis sur le vide, je pèse 70 kilos, je passerais à travers. Non, vous êtes assis sur un champ de force. Mais si vous aviez la capacité d'agrandir le siège de votre chaise des milliards de fois, vous ne verriez rien. Parce que vous auriez un atome, et puis à 500 mètres, vous auriez un électron qui tournerait, et puis à 3 km, vous auriez un autre atome, c'est du vide, mais relié par des champs d'énergie. Ça, c'est la spécialité de Jean-Pierre, il vous en parlera tout à l'heure. Alors, cette introduction, qui j'espère vous a à la fois surpris et amusé, pour vous dire que moi qui vais bientôt fêter mes 76 ans, je prends un plaisir extraordinaire à la vie scientifique. En 1973, j'étais jeune journaliste, rédacteur en chef adjoint à France Inter, et un jour, on m'a apporté une dépêche d'agence, Agence France Presse, l'une des quatre agences de presse internationales, parmi donc les quatre plus grandes, avec ABC, CBS et l'agence TASS, qui est l'agence russe. Et que racontait cette dépêche d'agence? Elle racontait une histoire d'objets volants non identifiés. J'avais entendu parler, comme tout le monde, des soucoupes volantes, mais alors vraiment, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et ça se passait à Turin. 30 novembre 1973, Turin. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Turin? En plein jour, dans l'axe d'atterrissage de l'aéroport de Turin, on voit un ovni. Le commandant de bord d'Alitalia qui décolle dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Il alerte la tour de contrôle qui dit « Ben moi je détecte rien ». Un autre avion d'Air France dit « Oui, oui, effectivement, je vois cette tache légèrement lumineuse qui est presque dans l'axe de décollage, je ne sais pas ce que c'est ». Un troisième équipage d'avion qui était un vol privé en Piper Aztec, c'est un bimoteur à hélice, dit « Ben si vous voulez, moi j'ai pas de passagers, je peux me détourner, je peux essayer d'aller voir ce que c'est, est-ce que c'est un ballon sonde ?» Mais un ballon sonde,
Il aurait été poussé par le vent qui, à cette altitude, environ 1000 mètres d'altitude, soufflait à 40 km/h. Donc très vite, il se serait déplacé de plusieurs kilomètres. Et là, il ne bougeait pas, il résistait au vent. Et quand l'avion s'est approché en piqué à un peu plus de 400 km/h, alors que cette chose n'avait pas bougé depuis au moins une demi-heure, elle est partie à toute vitesse, mais entre-temps, elle avait été vue par des milliers de témoins au sol, photographiée par un photographe de presse professionnel, d'ailleurs sur votre ordinateur ce soir, si vous tapez observation OVNI Turin 1973, vous allez trouver des photos de l'époque. On voit une sorte de chapeau de gendarme à l'ancienne, si vous voulez, lumineux mais pas éblouissant. On ne sait pas ce que c'est. J'envoie le correspondant de l'ORTF, à l'époque c'était de l'ORTF, qui s'appelait Gérard Dupagny, qui était correspondant à Rome, à Turin, et d'ailleurs il ne voulait pas y aller, il dit « Ah, oh, vous nous empoisonnez avec vos histoires de coupe volante, c'est des conneries, tout ça ». Il y est allé, donc on tire en train dans les pieds, il a fait l'enquête, il a trouvé de nouveaux témoins, notamment l'officier qui était de garde dans le radar militaire, parce qu'il y a un radar civil, un radar militaire, sur une autre fréquence, et qui avait détecté l'OVNI, et il m'a téléphoné très excité au bout de 5 jours en disant « Mais tu sais, ça tient la route, j'ai retrouvé les équipages d'avions, le photographe qui a fait les photos, des témoins au sol, les deux spécialistes qui étaient dans le radar, radar civil et militaire, et c'est comme ça que j'ai fait ma première émission sur les OVNI, c'est comme ça que j'ai fait venir des témoins, des scientifiques, des astrophysiciens, dont Jean-Pierre Petit, dans la première longue série d'émissions sur les objets volants non identifiés. Et Jean-Pierre Petit, à l'époque, a eu l'intelligence qu'il a toujours, parce que c'est un créatif, c'est un homme, pour moi, je le dis, je l'ai écrit, donc je suis à l'aise pour vous le dire, pour moi c'est un génie, c'est quelqu'un qui a de multiples talents, et pas seulement dans le domaine de la magnéto-hydrodynamique, pour ceux qui suivent ses travaux, mais si vous allez sur son site jeanpierrepetit.org, vous trouverez toutes les vidéos qui vous racontent l'histoire des sciences, qui est extraordinairement récente, parce que je vous signale qu'en 1632, c'est-à-dire il y a moins de 4 siècles, c'est-à-dire hier, car je vous rappelle que l'âge de l'univers c'est 13 830 millions d'années, que l'âge de la Terre c'est 4 500 millions d'années, et là je vous parle de 370 ans en gros. Il y a 370 ans, en 1632, il y a eu le procès fait à Galilée. Qu'est-ce qu'on reprochait à Galilée? Une énormité. Galilée prétendait, vous allez tous être scandalisés, que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Et que la Terre tournait autour du Soleil qui, encore à l'époque, était le centre de l'univers. Et à cause de ça, l'Église catholique lui a fait un procès à travers le tribunal de l'Inquisition. Il l'a condamné, mais enfin, comme il avait abjuré en disant « je reconnais, je jure », vous trouverez ça tout sur le web aussi, ce qui est formidable maintenant, c'est que la culture totale est accessible à tout le monde, il a abjuré, il a dit « non, non, je reconnais que la Terre est bien le centre de l'univers, conformément à la volonté de l'Église catholique, etc. etc. » Donc, à l'échelle des intelligences, nous venons de naître. Quand j'ai commencé à m'intéresser au dossier des OVNI, je me suis rendu compte, j'avais une sorte d'intuition. Vous savez, on a tous plus ou moins des intuitions au fond de nos cœurs. J'avais l'intuition que notre système solaire n'était pas le seul dans l'univers. Et je me souviens très bien avoir fait des débats, notamment un à Lille, face à un astrophysicien, sur le thème « Sommes-nous seuls dans l'univers ?». Parce que pour admettre que les soucoupes volantes venaient jusqu'à nous, il fallait dire, eh ben oui, mais il y a d'autres terres habitées. Et que me disait cet astrophysicien? Je le revois comme si c'était hier. Moi, je devais avoir, je ne sais pas, 28 ou 29 ans, et lui devait avoir une bonne cinquantaine d'années. Et il me disait, mais monsieur Bourret, vous êtes peut-être un journaliste compétent dans votre domaine, un journaliste sympathique, mais l'astrophysicien, c'est moi. Et vous savez d'où je viens, monsieur Bourré? Je viens du Mont Palomar, le plus grand observatoire du monde à l'époque, avec un miroir de 5 mètres. Eh bien, monsieur Bourré, imaginez-vous
que nous n'avons jamais détecté la moindre planète tournant autour d'une autre étoile. Nous sommes un cas unique dans l'univers. Le Soleil, les 9, 8 ou 10 planètes qui tournent autour du Soleil, parce que ça varie avec Pluton, on ne sait pas si c'est une planète ou une mini-planète, Jean-Pierre nous dira ça tout à l'heure. Nous sommes un cas unique. Décembre 1995, hier, 1995, il y a 21 ans, on découvre la première exoplanète, c'est-à-dire une planète tournant autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Extraordinaire. Une planète. Puis deux planètes. Puis cinq planètes. Puis 10 planètes. Puis 100 planètes. 1000 planètes. On en est à plus de 4000. La NASA, il y a un an, à partir des derniers clichés qui ont été pris par les télescopes et les observatoires les plus puissants, notamment ceux qui ont été envoyés dans l'espace, pas seulement Hubble, mais Planck, etc., fait un communiqué, pas un journaliste ne le reprend. Vous le retrouverez si vous allez sur le site de la NASA. Nous estimons, écoutez bien, à 60 milliards le nombre de planètes pouvant abriter la vie. Je n'ai pas dit le nombre de planètes. J'ai dit le nombre de planètes pouvant abriter la vie, c'est-à-dire où il y a de l'eau, une température entre moins 10 et plus 40 ou 50, 60 milliards dans notre seule galaxie. Nouvelle révolution au mois de novembre l'année dernière, parce que là nous sommes en train de vivre une révolution dont vous n'avez pas idée. Au mois de novembre l'année dernière, alors qu'on disait l'univers, c'est 100 à 200 milliards de galaxies. Je vous rappelle qu'une galaxie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une association d'étoiles. C'est comme si vous mettiez des milliers de billes, de roulements à billes entre deux assiettes à soupe l'une sur l'autre. Vous voyez ce que ça fait, un truc comme ça, en gros rond, ou en forme d'ellipse, où vous avez des dizaines de milliards, sinon des centaines de milliards d'étoiles. Eh bien, on disait l'univers, c'est 100 à 200 milliards de galaxies. Chaque galaxie comprenant entre 100 et 900 milliards d'étoiles, à la louche. Et bien l'année dernière, au mois de novembre, la NASA, encore elle, a dit « Nous avons réévalué le nombre de galaxies dans l'univers. Ce n'est pas 100 à 200 milliards, c'est plus de 2000 milliards de galaxies. L'univers a été multiplié par 20, l'univers visible, on n'en a pas dit un mot. » Sauf dans quelques revues scientifiques, en quatre lignes, en page 27. C'est quand même hallucinant. Il y a 4 semaines, on découvre une étoile avec 9 planètes qui tournent autour d'elle, dont 3 pouvant abriter la vie. Il y a 15 jours, on découvre une planète avec une atmosphère. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une période de l'histoire des sciences absolument fabuleuse, où pratiquement chaque semaine, chaque mois, il y a une nouvelle découverte qui nous dit quoi? Qui nous dit ce que nous vivons en tant qu'habitants de la planète Terre, tournant autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, est quelque chose d'une affreuse banalité dans l'univers. Il y a des dizaines de milliards de planètes comme la nôtre dans notre galaxie. Il y a des milliers de milliards de galaxies. Mais, et Jean-Pierre le détaillera tout à l'heure, nous sommes confrontés à quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. C'est que quand vous vous adressez à un astrophysicien, qui est au sommet de la pyramide intellectuelle, il a fait toutes les études, il est agrégé de physique, agrégé de ce que vous voudrez, et que vous venez lui dire... Vous savez, moi, je m'intéresse aux soucoupes volantes. Le mec, il est mort de rire, déjà, avant que vous finissiez votre phrase. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes astrophysicien? Mais tout ça, ce sont des bêtises, pour ne pas employer un mot un peu plus trivial qui commence par C-O-N. Ça n'existe pas. Nous sommes le seul modèle intelligent de l'univers. Ah bon, parce qu'on est intelligent. Alors, si c'est nous qui sommes le plus intelligent de l'univers... Appelez-moi Dieu parce que j'ai 2 mots à lui dire. Évidemment, il y a des... Moi, je dis depuis peut-être une dizaine d'années qu'il y a des milliards de planètes habitées
où l'intelligence qui est sur cette planète est beaucoup, 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 beaucoup plus en avance que la nôtre. Et on m'a dit, mais sur quoi vous basez pour dire ça? Quelles sont les preuves? Bon, c'est très simple. C'est très simple. Le singe est descendu de l'arbre, on ne sait pas quand, mais en gros entre 100 000 ans et mettons 500 000 ans pour prendre une fourchette large. 500 000 ans par rapport aux 14 milliards d'années de l'âge de l'univers, si je prends une comparaison pour que tout le monde comprenne bien, c'est une feuille de papier à cigarette par rapport à la hauteur de la tour Eiffel. Ce qui veut dire que des milliers d'années avant la nôtre, des millions d'années avant la nôtre, des dizaines de millions d'années avant la nôtre, des centaines de millions avant la nôtre, des milliards d'années avant la nôtre, une civilisation est née et a progressé. Et de quoi serait capable une civilisation qui aurait ne serait-ce que 1000 ans, ne serait-ce que 1000 ans, ne serait-ce que 200 ans d'avance par rapport à nous? Vous imaginez ce qu'on a fait en 200 ans, hein, l'aviation est née juste après 1900. Les voitures sont nées il y a 150 ans, les ordinateurs sont nés il y a 60 ans. Vous imaginez si on avait 500 ans de plus, où on en serait? Donc, j'ai mis longtemps à comprendre que ces astrophysiciens, ces exobiologistes, ces spécialistes scientifiques, ces membres de l'Académie des sciences, au fond d'eux-mêmes, ils étaient terrorisés parce que, quand on leur dit, on a vu des objets volants non identifiés, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que ça ne vient pas de la planète Terre, que ça vient d'ailleurs, que c'est une autre intelligence, que ce sont d'autres intelligences. Ils se disent inconsciemment, mais alors je ne suis plus professeur agrégé de philosophie, au plus haut niveau de la connaissance terrestre, je suis un singe, je suis comme un singe par rapport à un scientifique qui vient avec son smartphone, ses caméras, son hélicoptère, etc. Il y a le même décalage, mais en fait, le décalage, il est encore plus grand. Mais ils ne font pas le raisonnement que je fais devant vous et que je détaille. Et que j'ai mis longtemps à comprendre. Parce que, quand j'ai voulu faire cette émission sur France Inter en 1973, Jacques Salbert, les moins jeunes d'entre vous s'en souviennent, c'était mon directeur. Donc on était obligé, c'était encore l'ORTF. Il y avait un comité scientifique de l'ORTF. Et chaque fois qu'on proposait une nouvelle émission, il fallait qu'on ait l'aval du comité scientifique. Quand ça touchait le domaine des sciences, ce qui était le cas avec les œuvres. Alors je lui envoie mon projet, il me téléphone, il dit « Jean-Claude, faut que je te vois ». Je monte dans son bureau, à la maison de la radio. Il dit « Écoute, je suis désolé, mais le président du comité scientifique, il a refusé ». Mais il dit « Va le voir, essaye de le convaincre, moi je ne peux pas passer par-dessus ». Je vais le voir, paix à son âme, il est mort. Ce monsieur, c'est un membre de l'Académie des sciences, qui s'est rappelé quelque chose, Jean-Pierre. Et je lui dis « Mais pourquoi vous refusez que je fasse une série d'émissions sur les objets volants non identifiés, sur les soucoupes volantes? Parce que je vous assure que je vais faire venir des astrophysiciens, des physiciens, des astronomes, etc. » Il me dit « Ah, les soucoupes volantes. » Mais il y a quelques années, j'ai lu un article dans France Soir. C'était une incroyable histoire ridicule d'une bonne femme qui avait été enlevée par des martiens et qui avait été obligée de faire l'amour dans une soucoupe volante. Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise que vous avez? Non, non, on ne peut pas faire un truc comme ça. J'ai dit, alors, c'est tout ce que vous connaissez du dossier OVNI, un vague article de France Soir que vous avez lu il y a 2-3 ans, avec une histoire de Française enlevée qui est obligée de faire l'amour avec un martien, etc. Et là, il a compris que quand même, il était un peu coincé, parce que moi, je lui ai envoyé des exocètes, et notamment le projet Blue Book, qui est un rapport scientifique américain, qui avait été pas mal fait, même si on sait très bien que les scientifiques avaient comme instruction de calmer un peu la curiosité du grand public et de dire « bon, tout ça, c'est pas très sérieux quand même ». Mais il y avait quand même des cas jugés sérieux. Alors j'ai eu l'autorisation de faire cette série d'émissions. Mais je garderai toujours présent à ma mémoire ce président du comité scientifique qui prétendait balayer d'un revers de main mon projet d'émission sur les objets venant non identifiés, qui a donné lieu à une série de bouquins que certains d'entre vous ont lus, notamment « La nouvelle vague des soucoupes volantes », que j'ai publié, je crois, en 74 ou 75, et qui est tout simplement la retranscription par écrit de la série d'émissions que j'avais faite sur France Inter dans Dossier OVNI, pas de panique, avec Claude Villers.
Alors, aujourd'hui, où en est-on? Je vais juste vous raconter une autre anecdote avant de passer le micro à Jean-Pierre. On me demande de faire partie d'un jury du film russe Pletoville, il y a 3 ans. Donc j'y vais, je suis avec un certain nombre de confrères, dont mon ami Gérard Carrero. Il y a l'ambassadeur de Russie qui est là, on passe 4 jours ensemble, on voit des tas de films, c'est très sympathique, on échange nos cartes. 2 mois après, l'ambassadeur de Russie me téléphone en disant « Monsieur Bourret, est-ce que vous pourriez venir cet après-midi à l'ambassade de Russie à Paris ? Il y a un pilote de chasse russe qui voudrait vous rencontrer. Il vous connaît, il connaît vos travaux, vos livres, etc. » Il les a vus en anglais, parce que mes bouquins ont été traduits en anglais. Alors moi, j'étais très excité. Un pilote de chasse russe qui veut me rencontrer, c'est pas pour me dire « Est-ce que vous allez à la pêche? Est-ce que vous avez pris un brochet récemment ?» Donc j'y vais, je prends un magnétophone, d'ailleurs. Je demande la permission, parce que... Et le pilote de chasse russe, c'était une femme, qui devait avoir 40-42 ans, et qui m'explique, via la traduction de l'interprète, elle m'avait autorisé à enregistrer, l'ambassadeur aussi, que elle avait vu elle-même et poursuivi un objet volant non identifié, que ça l'avait beaucoup marqué, que chaque fois qu'elle se posait dans une base militaire russe, elle demandait à ses collègues « T'as vu quelque chose toi aussi ?» Alors il y en a beaucoup qui disaient « Non, j'ai rien vu », puis il y en avait qui disaient « Oui, j'ai vu » ou « Tiens, je connais un tel qui a vu ». Donc elle a fait son petit livre personnel. Et elle avait comme ça recueilli au moins une quinzaine de cas sur 25 ou 30 ans de pilotes de chasse russes qui avaient vu et même poursuivi des objets volants non identifiés. Donc il n'est pas de mois ou d'années qui passent sans que quelqu'un, quelque part, voit un objet volant non identifié. Nous sommes visités, alors je ne dirais pas depuis des siècles ou des millénaires, parce que peut-être que dans leur temps à eux, et Jean-Pierre vous en dira un mot dans une seconde, dans leur temps à eux, ce n'est pas le même temps que le nôtre. Donc j'avais coutume de prendre un exemple très simple, parce que comment ça, leur temps à eux, ce n'est pas le même temps que le nôtre, mais qu'est-ce qu'ils racontent, bourré, on ne comprend rien du tout. Alors, je vais prendre un exemple simple. Imaginez que vous ayez la capacité de monter dans un objet volant non identifié qui peut voyager dans le temps. Donc on est en 2017, vous dites « Tiens, je vais aller voir la guerre de 14 », vous tapez 1914 sur un cadran, et hop, votre OVNI se désintègre et réapparaît en 1914, vous êtes en plein champ de bataille. Bon, ça c'est une image simple, mais claire. Bon, imaginez maintenant que vous êtes sur une autre planète, où vous avez l'équivalent du président de la République qui réunit ses troupes, il réunit 2000 pilotes avec 2000 soucoupes volantes, qui sont numérotés de 1 à 2000, ou même de 1 à 2017, puisqu'on est en 2017, et il dit « Bon, ben toi, le pilote numéro 1, tu vas aller en l'an 1, tu vas rester 3 jours, tu vas te balader partout autour de la planète Terre, et puis tu reviendras. Toi, le pilote numéro 2, tu vas aller en l'an 2, même chose, tu restes 3 jours, tu fais le tour de la planète Terre, et puis tu reviens. Toi, le pilote numéro 3, je ne vais pas vous faire les 2017, hein. Mais enfin, vous comprenez le principe. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que pour nous, humains, pendant 2017 ans, j'ai commencé à l'an zéro exprès, j'aurais pu aller bien avant, vous l'avez bien compris. Pour nous, humains, pendant 2017 ans, tous les ans, il y aura des gens qui viendront nous dire « Monsieur, j'ai vu un ovni ». Et on dit « Putain, ils nous visitent depuis 2000 ans et personne ne prend contact avec nous ». Alors que dans leur temps à eux, il se sera écoulé, 3 jours. Je pense que l'image a le mérite d'être claire. Donc il faut vraiment, comme tout à l'heure quand je vous ai dit, vous sentez le vent. Est-ce que vous sentez le vent? Et vous savez, bourré et fou. Et puis maintenant vous comprenez ce que j'ai voulu vous dire. Méfions-nous de ce que nous appelons l'apparence de la logique. Quand nous sommes face à des intelligences qui viennent d'autres planètes, notre logique à nous n'a plus lieu d'être. Je vous remercie. Bien, ça, tout le monde entend, ça va. Disons que vous avez vu qu'on a écrit un livre, Jean-Claude et moi. Surtout toi. Enfin, et ce livre,
on ne gagne pas un sou dessus. On a passé un accord avec l'éditeur par contrat pour que l'argent aille à cette association Ufoscience, dont on s'occupe. Ufoscience, la fois sa division, c'est deux personnes, quoi. C'est les gens qui travaillent. Vous savez, dans une association de 1901, il y en a qui sont membres, puis il y en a qui travaillent, c'est pas les mêmes. Bon. Et il y a 15 jours, j'ai eu 80 ans. Et tout d'un coup, je me souviens que j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a 40 ans, 45 ans. Quand 4 décennies se sont écoulées. C'est vrai que tout d'un coup, c'est stupéfiant. Quand on se dit, mais nom de Dieu, on a des cheveux blancs, 4 décennies se sont écoulées, et puis je suis en dernier virage, quoi. Dans 10 ans, j'aurai 90 ans, c'est pas éternel, qu'est-ce qui va se passer? Puis, les années passent tellement vite. Quand on fait ce combat, cette lutte que j'ai fait, mais les années passent comme des mois, les mois passent comme des jours, c'est complètement fou. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que ça va bouger, mon Dieu? C'est pas possible, c'est insupportable, un truc pareil. Donc, on a fait ce bouquin, et puis, vous trouverez ça décrit dans ce livre, en long, en large et en travers. Quelle est la conclusion qu'on tire dans ce livre? Ce ne sont pas les politiques qui vont nous apporter la vérité. Ce ne sont pas les scientifiques, ce ne sont pas les militaires, ce ne sont pas les religieux. Oh là, c'est beaucoup de monde, ça. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste le public, il reste les gens honnêtes, c'est tout. Alors, dans notre bande, il y a un garçon qui s'appelle Jean-Christophe Doré, qui est très astucieux, et il a créé un certain nombre de petits gadgets. Alors, le plus simple, avec l'argent qu'on aura gagné avec le livre, on va commencer ici de le produire en série et tout. C'était une espèce de petit objet qui fait 2 mm d'épaisseur, qu'on collerait sur son téléphone portable, puis il y a une tirette, et quand on pousse avec le pouce, on met un réseau devant l'objectif. C'est-à-dire, quand vous faites une photo, il y a des tas de gens qui diront « Ah, oh, j'ai vu un ovni !» À ce moment-là, hop, on met le sol, et on a un spectre d'ovni. Et ça, un spectre, c'est une information scientifique considérable. Maintenant, si on met en circulation 10, 20, 50, 100 mètres, ça ne sert à rien. Il en faudrait 100 000. Si on avait 100 000, eh bien, à ce moment-là, on aurait un spectre toutes les semaines. C'est une question de statistique, quoi. Si vous achetez, vous procurez un jour cette petite monnaie pour vous mettez votre téléphone portable, c'est amusant parce que vous pourrez mettre le réseau devant, et puis vous ferez une photo d'un tube au néon, une photo d'un... Si vous filmez un lampadaire au sodium, vous aurez le spectre du sodium, puis après vous pouvez récupérer ce spectre avec Photoshop, le traiter, etc. Donc c'est un gadget intéressant pour un prof de lycée qui va pouvoir faire une petite démonstration, puisque ça transforme votre appareil en spectroscope, d'accord. Maintenant, est-ce que vous aurez une chance de faire un spectre d'OVNI? Peut-être une chance sur 1000. Peut-être ça ne vous arrivera jamais autour de votre vie, quoi. Mais dans le temps, on avait essayé de mettre en circulation des bonnettes comme ça. Mais ces bonnettes, c'était compliqué. C'était des petites diapositives. Alors à ce moment-là, c'est « Ah chérie, où est-ce qu'on a mis le truc? Mon portefeuille dans la boîte à gants. » Enfin, on s'en sort pas, quoi. Un ovni, il faut faire « tac » et hop, on le prend. Et si on avait 100 000 téléphones portables avec ce truc-là, eh bien on aurait un spectre. Et si on a un spectre, c'est une information considérable. Et ça, vous réalisez un truc pareil, c'est que depuis 40 ans, on a cet organisme qui s'appelle le GEPAN, le GIPAN, CNES, mais c'est hallucinant un truc pareil. Ils ont réuni 6000 rapports de gendarmes, et vous avez les journalistes qui vous disent la France qui s'est dotée d'un service. Bon Dieu, mais c'est pas possible. On confie à ces braves pendeurs le soin d'aller faire des enquêtes sur les domiciles catastrophiques. Alors on pourrait dire, mais regardez ce petit gadget, et si on le sort en série, ça vaut 2 centimes, un truc comme ça. Vous savez, le plastique à rayures, qu'on appelle un réseau interférométrique pour transformer le truc en spectroscope, mais ça s'achète au mètre carré, on le découpe avec des ciseaux. Ensuite, le truc doré, c'est 2 petits bouts de plastique. Vous allez voir un industriel, vous dites, voilà, j'en voudrais 1000, 2000, 3000, bon, 3 centimes pièce, ça vaut rien. Alors pourquoi est-ce que le CNES ne fait pas ça? Pourquoi ils ne mettent pas en circulation un truc pareil? C'est vraiment des cons, c'est pas possible. Hein, voilà. Mais ils n'ont pas envie, c'est tout. Ils n'ont pas envie de trouver. Alors, il y a déjà ce genre de choses-là. Ensuite, deuxième invention de Doré, il y a ce qu'on appelle les objectifs fisheye. Alors, c'est assez amusant, comme c'est absolument le MacGyver de la bande, hein, franchement. Et Doré MacGyver se procure un objectif fichier très simple, c'est le ton que vous mettez dans le porte, vous voyez, pour voir ce qu'il y a dehors. Bon, avec ce ton de porte,
Il avait le premier objectif fichier qu'il avait utilisé. Bon, ben, après, il a progressé et il a fabriqué un objet qu'il a appelé UFOCatch, qu'on voit d'ailleurs sur une vidéo qui se trouve sur le net. Et avec ça, si on met ça sur le toit de sa maison, eh bien, on a une surveillance de tout le ciel, d'un coup. Et ça, ça arrive avec un fil, avec une clé USB, puis vous branchez ça sur un ordinateur. Bon, il faut avoir un ordinateur qui puisse être affecté à ça en permanence. Mais beaucoup de gens ont un vieux portable qui traîne dans un coin ou des tours, puis ils branchent ce truc-là. Puis un matin, vous vous réveillez, puis vous voyez sur l'écran, j'ai capté quelque chose. Ah bon ? Alors vous avez capté quelque chose, alors qu'est-ce que c'est ? Ben, simplement, l'image, c'est un disque sombre, et puis un petit segment lumineux. Il y a quelque chose qui est passé, quoi. Alors c'est quelque chose qui est passé, mais on a déjà des UFOcatch en batterie et on en détecte toutes les semaines. Et bien c'est des étoiles filantes. Hein. Les étoiles filantes, si vous mettez un truc comme ça sur le toit de votre maison, vous aurez facilement une détection par semaine et l'été beaucoup plus. Quoi. Donc c'est pas ça qui est intéressant. Et encore une fois, là, il y a le nombre. Je vois des gens qui me disent « Ah, oh, j'ai vu votre bouquin, j'ai moins de procurer ceci, ça. » Mais ce truc-là, c'est une opération à long terme. Il ne faut pas qu'il y ait un appareil comme ça, il faut qu'il y en ait des milliers. Et ces milliers, ce n'est pas nous qui allons les fabriquer, ce n'est pas nous qui allons les vendre. On n'est pas des commerçants, on n'est pas des industriels. Il faut que ça devienne un jour un objet courant. Quoi. Je veux dire, un jour, il y a un Japonais qui fabriquera des UFOcatch. Mais là, quand vous voyez, par exemple, dans ce système de doré, on essaye de faire en sorte que ça coûte moins de 100 euros, un truc pareil. Mais quelle est la partie chère là-dedans ? C'est l'objectif fisheye. L'objectif fisheye, un jour, ce sera un truc comme l'objectif de votre téléphone portable. C'est-à-dire, imaginez que vous puissiez poser votre téléphone et que ça filme tout le ciel. Il suffira que quelqu'un se dise, tiens, il y a un marché pour ça. Alors il y aura un marché, on fabriquera les objets. Donc le piège à l'OVNI, il existe. Il existe, et qu'est-ce qu'on peut espérer d'un truc comme ça? Alors déjà, quand on a ce petit truc spectroscopique, on peut avoir un spectre d'OVNI. Ça, c'est intéressant. Enfin, des gens diront, oui, mais ce spectre, c'est un faux, vous avez fait ça en filmant ceci, en filmant cela. Non, ce qui est intéressant, c'est le système qui surveille tout le ciel. Parce que quand il surveille tout le ciel comme ça, si vous avez un seul appareil qui filme un objet qui passe, ben vous aurez une petite trajectoire qui est dedans. Mais le problème des films, le problème des photos que les gens font, les témoignages, ils disent « Oh, c'était à peu près à 20 km de distance. » Mais comment vous en savez? Ça peut être à 200 km ou à 200 mètres, on ne sait pas ce que c'est ce truc-là. Donc les évaluations de taille, c'était grand comme ceci, grand comme cela, pour apprécier la taille de l'objet, mais il faut qu'il soit à distance de votre vision binoculaire. S'il est à 300 mètres, ça peut être un camion, ça peut être un truc tout petit, vous ne le savez pas. Alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir au moins deux appareils comme ça. Parce que si on a deux appareils comme ça, on pourra croiser les données et avoir un enregistrement de la trajectoire de l'objet, espace et temps, c'est-à-dire vitesse. Alors qu'est-ce qu'on chercherait à capter un truc comme ça? Eh bien ce serait un objet qui a été capturé par plusieurs appareils de genre, hein, et qui a par exemple une trajectoire insolite, parce que qu'est-ce que c'est qu'une météorite? C'est un truc qui rentre à 30-40 km/s avec un angle de 45 degrés et puis qui brûle en haute atmosphère. Ça, c'est 99,9% des météorites. Après, il y en a qui sont un peu plus importantes, qui vont descendre plus bas. Mais si tout le monde dégote ce truc-là en disant « qu'est-ce que ça donne ?» Ben, c'est un truc qui descend. Ben oui, c'est une météorite. Mais si elle monte, c'est pas pareil. Et si par exemple, on prend un virage angle droit, ouais. Donc, ce genre de choses-là, dans les années qui viennent, parce que ça ne se fera pas en 15 jours, si on arrive à motiver les gens, par exemple, prenez les ufologues, les associations ufologiques, alors ils sont là, puis ils vont chercher des témoignages, font les enquêtes. Et qu'est-ce que ça donne? Mais rien. C'est comme les enquêtes du GEPAN. Il venait de là, il est allé là, le premier témoin raconte ci, le deuxième, on en a des dizaines de milliers, des trucs comme ça. Ça ne sert à rien. Par contre, installer ces stations de capture, ça c'est important. Alors à ce moment-là, la question, c'est qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais vous avez toujours des gens qui vont être sceptiques, qui diront « Oui, c'est un faux, c'est ceci, c'est cela. » En fait, ce qui est important, c'est de convaincre les gens eux-mêmes. Hein? C'est-à-dire que si eux-mêmes, dans un système comme ça, par exemple, il y avait un journaliste qui me disait « Oui, mais alors à ce moment-là, il faut que ces données soient centralisées. » Non, elles ne sont pas centralisées. Vous avez votre appareil sur le toit de la maison, vous avez votre PC,
Vous avez fait votre enregistrement, et puis il y a un site internet, un forum, comme ça, un forum spécialisé dans lequel on rentre quand on a un appareil, comme ça. Alors à ce moment-là, vous dites, ben voilà, le 7 avril à 2h du matin, j'ai obtenu ça. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Ah, le mec, moi aussi j'ai vu ça. Donc vous avez une deuxième personne, peut-être plusieurs, qui, bon, ok, alors on s'échange les données. Et avec ces données, chacun fait marcher un petit logiciel freeware qu'il faut qu'il distribuera, et on aura de les trajectoires. Bon, alors peut-être qu'il y a des gens qui s'amuseront à faire des farcidiotes, mais c'est pas évident. Puis de toute façon, à terme, on gagnera. À terme, il y aura des trucs qui auront été observés par 15 personnes qui sont dans des régions différentes. Parce que si... Et détectées. Parce que... Et filmées. Parce qu'un truc comme ça, si ça se balade à 50 km d'altitude, bon, on va l'avoir à 300 bornes. Vous allez avoir un type qui aura enregistré l'objet à Nice, un autre, il sera à Strasbourg, le troisième, il sera à Brest, etc. Et on aura un croisement de ce truc-là. Donc, le fait de dire que tous ces gens-là se sont donné le mot pour fabriquer un faux, ça va devenir compliqué. Donc, simplement, on est en train de construire l'élément de preuve. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ben, ça, c'est un combat qu'on démarre. Et moi, avant de rentrer dans cette salle, j'avais envie de vous dire... Je voudrais juste dire un mot, parce que ce que tu dis là est très important. Et comme il est à fond là-dedans, chacun son job. Hein. Moi, j'essaie d'être un vulgarisateur. Lui, c'est un scientifique de très haut niveau. Quand tu dis, il y en a deux ou trois qui peuvent se mettre d'accord pour faire un faux. Mais la force du projet de Jean-Pierre Petit, c'est que justement, il n'y aura pas que deux ou trois caméras qui vont filmer, une à Brest, une à Strasbourg, une à Marseille. Il y aura peut-être 500 caméras, il y en aura peut-être 5000, et autour du monde. Donc si vous avez trois joyeux lurons qui disent « toi t'es à Brest, toi t'es à Strasbourg, moi je suis à Marseille », on va faire un faux, on va bien se marrer, on va tous les avoir. Oui, sauf qu'il y aura trois caméras sur lesquelles il y aura un faux, mais vous en aurez 250 qui n'auront rien détecté. Donc on dira, voilà, on a la preuve que c'est un faux. Vous comprenez la force de ce projet? C'est nous, les citoyens, qui maintenant, grâce à Jean-Pierre Petit, allons prendre notre destin en main et faire la démonstration qu'eux, parce que je pense que psychologiquement, nous sommes prêts. Que psychologiquement, et votre nombreuse présence ici le prouve, nous sommes prêts à admettre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et qu'il y a d'autres civilisations. Et nous sommes prêts à admettre que ces civilisations sont beaucoup plus en avance que nous ne le sommes. Et ils n'ont pas beaucoup de mérite quand on voit de petits mots. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que c'est nous qui allons prendre cette chose-là en main. Mais vous savez, il y a une chose quelquefois qui me donne un sentiment de honte. Je suis scientifique. Je fais partie de la communauté scientifique. Mais les scientifiques sont des moines froussards. C'est épouvantable. Alors, je me rappelle, dans le temps, il est mort maintenant, il y avait Schatzmann. Et Schatzmann me disait, ah oui, si vous arriviez à publier des travaux montrant qu'on peut voler à vitesse supersonique sans onde de choc, ah oui. À chaque fois, c'était, ah, si vous arriviez, c'est de la blague. Ils sont fermés comme des huîtres. Alors, quand j'ai repris contact avec Jean-Claude, il me disait, tu sais, tu as la réputation d'un type qui a un seul caractère. Exact. Bon. Puis après, il s'est aperçu que ce n'est pas le cas. Simplement, qu'est-ce qu'on fait? On a écrit le bouquin, et puis après, au mois de septembre, j'ai dit, je vais lancer des demandes de rencontres avec des scientifiques qui sont intéressés par la cosmologie, l'astrophysique, etc., avec des laboratoires. Voilà. Maintenant, le nombre de ces gens-là, ça vaut une vingtaine. Les labos, c'est une vingtaine. Savez-vous quelles ont été les réponses? Pas de réponse. Pas de réponse du tout. Ils sont même pas polis. Pas de réponse du tout. C'est quelque chose de fabuleux. Hein. Alors là, j'ai entrepris depuis le début de l'année une série de vidéos. Je suis à la 15e maintenant. Qui est une sorte d'initiation à la cosmologie et à l'astrophysique avec tout le talent que je peux avoir de vulgarisateur. Puis je mets un petit peu d'humour parce que ça n'est pas mal non plus. Quoi. Et Jean-Claude dit que je ne me débrouille pas trop mal parce que finalement, de temps en temps, j'envoie une pique ou deux. C'est vrai que vous avez déjà un prenatique comme Luminet, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Luminet? Il fait un bouquin et il fait des émissions en nous expliquant ce que l'univers deviendra dans 10 puissance 2500 ans. Ça n'a aucun sens, un truc pareil. Alors, il y a un truc, moi j'ai appris à capturer les vidéos, puis à prendre des séquences. Alors, dans la vidéo, je dis maintenant, je donne la parole à M. Luminaire, il parle, puis je dis, mais il a bien de la chance pour faire ça. Moi j'avoue, j'arrive pas à me projeter à 10 puissance 2500 ans. Puis vous en avez d'autres, comme ça, vous les avez les uns après les autres, c'est effrayant. Et alors, finalement, quand on réfléchit dans ce domaine de la cosmologie, dans le domaine de l'astrophysique, ah, vous avez Françoise Combes, la académicienne, mon Dieu, avec son Big Bang.
Alors, il suffit de montrer un peu des séquences où il parle, ces gens-là, ils se discréditent totalement. Donc, j'attaque, je m'en suis pris à l'Académie des sciences dans les dernières vidéos. Catherine Brichignac, qui est secrétaire perpétuelle, elle ne veut pas me rencontrer. Je lui ai écrit à un moment en disant, je monte à Paris, est-ce que je pourrais vous voir? Ah, je ne suis pas en France à ce moment-là. Bon. Mais elle me dit, je dirais à ma consoeur Françoise Comte de vous recevoir. J'ai écrit à Françoise Comte, évidemment, elle ne répond pas. Donc maintenant, j'ai écrit à Catherine Brichignac en disant, je veux vous rencontrer, nom de Dieu, quoi, merde. Hein. Mais il y a un truc aussi qui est extraordinaire, c'est que vous prenez les statuts de l'Académie des sciences. Dans ces statuts de l'Académie des sciences, vous avez quelque chose qui est dû à Arago, grand scientifique, 1835. 1835, Arago dit, c'est très pas mal, pour impulser la vie scientifique, on va permettre aux gens de publier des travaux rapidement. Alors on a inventé les notes au compte-rendu de l'Académie des sciences, qui étaient publiées par l'édition Gauthier-Villard. À ce moment-là, ces notes au compte-rendu, elles sont présentées par les académiciens, qui leur servent de caution, et puis simplement, c'est assez vite, publié, 15 jours, hein, c'est très rapide. Donc, quand on a une idée qu'on va la passer, 15 jours. Bon, c'est vrai que moi, j'ai rencontré, à la fin des années 60, un académicien qui s'appelait Chinorowicz. Il était venu à Aix pour un congrès. Alors, un jour, je le rencontre, et puis je lui dis, oh, j'ai beaucoup de mal à publier. Il me dit, envoyez-moi une note, je la passerai. J'ai passé je ne sais combien de publications scientifiques grâce à Chinorowicz. Et j'ai passé en particulier les publications qui sont présentes dans le bouquin, qui s'appellent Univers énantiomorphe à temps opposé et Univers en interaction avec leur image dans le miroir du temps. Ces publications, elles auront un jour un caractère historique, parce que je crois que c'est vraiment fortiche, ce truc comme ça. Et bien, je peux vous dire la chose suivante, aujourd'hui, ça ne passerait plus. Alors, dans les années 90, j'envoie un énième papier à Chinorowicz qui me dit « Ah, maintenant, les choses ont changé, je suis obligé de transmettre cette publication à un comité qui l'examine. » Ça y est, il y avait un comité d'anonymes, et le truc a été refusé. Et aujourd'hui, toutes les notes au compte-rendu de l'émission ont été supprimées. C'est-à-dire que on voit par exemple que cet organisme de publication réserve ses colonnes à des personnalités invitées, autrement dit au mainstream. Hein. Donc, alors, c'est vrai que chez les académiciens, il y a des gens qui sont un petit peu farfelus ou un peu fatigués, donc la qualité était inégale. Alors, l'argument était de dire, oui, c'est notre compte-rendu, c'est vraiment de la merde. Ah bon, alors il faut vraiment... Mais alors, on a supprimé ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, ils se publient des trucs sur les supercordes, ils se publient des trucs sur l'univers, l'univers quantique, des trucs, mais c'est n'importe quoi. La science noire a envahi complètement le décor. C'est quelque chose d'effarant. Écoutez, par exemple, Aurélien Barou parler des multivers. Alors, je voulais dire, parle un petit peu de ton univers à Basque. Oui. Alors, disons que, pourquoi ce bouquin s'appelle-t-il OVNI Extraordinaire Découverte? C'est 40 ans de travail, un truc comme ça. J'ai commencé en 75-76. Et en 77, j'ai passé effectivement des notes communes avec l'Académie des sciences en comprenant qu'il y avait un thème de recherche qui était extrêmement intéressant. C'était de comprendre qu'il y a quelque chose de dual, de gémellaire dans la structure cosmique. Et puis en 2014-2015, le travail a vraiment abouti. Et j'ai passé deux publications, quatre, dans des revues qui s'appellent Astrophysics and Space Science et Madame Viticulteur 1. Alors il faut savoir un truc, c'est que même dans le monde de la publication officielle, il faut pouvoir être lu et compris. Et là, on a une chance sur 50, à peu près. C'est-à-dire que pour passer ces articles-là, il a fallu essuyer 49 refus. Alors on envoie dans une revue, on reçoit un truc imbécile, puis on envoie une autre. C'est épuisant. Mais on y arrive. On y arrive à un moment, tout d'un coup, on est étonné. Ah, le type a compris, le papier passe. Quoi. Bon, et bien, dans le papier de 2015, ce que j'ai pu mettre, c'est qu'il y a effectivement une possibilité de voyage interstellaire. C'est écrit dans l'article. Pourquoi? Parce que les gens me demandent. Votre modèle cosmologique que j'ai appelé Janus. J'ai appelé Janus, pourquoi? Parce que Janus, c'est un dieu, il a deux visages, mais il a aussi une chose, c'est qu'il regarde à la fois vers le passé et vers l'avenir. Et c'était Sakharov, en 67, qui avait le premier publié un modèle dans lequel il y avait un univers qui allait dans le futur et l'autre qui allait dans le passé. Alors ça, moi j'ai mis 10 ou 20 ans à comprendre un truc comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que inverser le temps, c'est comme inverser la masse, inverser l'énergie. Donc, on vit dans une hypersurface
L'univers, c'est une hypersurface, elle a un rectum et un vertum. C'est pour ça que quand les gens me disent, mais il est où votre univers? Ben, il est au milieu de vous. Par exemple, prenez une feuille de papier, imaginez deux fourmis. Il y en a une qui se balade sur le rectum, une balade qui est sur le verso. Et celle qui est sur le rectum dit, mais où se trouve ce trou d'univers? Mais sous tes pieds, bourrique. C'est tout. Donc, vous voyez, sur une feuille de papier, vous pouvez circuler sur le recto et sur le verso. Voilà. Et il y a une chose, c'est qu'effectivement, lorsque vous passez sur le verso, vous ne voyez plus la fourmi. Bon, ben c'est pareil. Vous avez à ce moment-là une capacité de changer de géométrie. Et à ce moment-là, lorsque un ovni inverse sa masse, eh bien, il cesse d'être perceptible à nos yeux. Il se dématérialise, il acquiert une autre matérialité. Et à ce moment-là, imaginez qu'il y a un objet de ce genre en plein milieu de la place, mais il va passer tout tranquillement au travers du mur. Quoi. Il n'interagit plus avec la matière. Puis en plus, il y a un phénomène quantique qui fait que l'objet apparaît avec une vitesse relativiste, qui fait qu'il n'y a pas de moteur. Moi, je ne sais pas, mais je voyais, il y a un congrès cet été en Amérique où des gens vont réfléchir à la propulsion des ovnis. Car on s'est dit, quoi. Mais c'est un peu comme chercher quel est le moteur d'un bateau à voile. Hein? Oui, il y a un type, il a un bateau incroyable, il n'y a pas d'hélice, il n'y a pas de moteur, il ne crache pas de fumée, il avance quand même. Ben oui, il y a le vent. Et là, ben, vous avez à ce moment-là, et assez récemment, j'ai pu évaluer la contraction de distance qui représente justement ce passage dans notre version de l'univers. C'est un facteur 100. Les distances sont 100 fois plus courtes. Et la vitesse de la lumière, il est 10 fois plus élevée. On gagne un facteur 1000. Alors, en ce moment, vous faites des calculs, vous dites, bon, ben voilà, une planète qui est à 10, 20 la lumière, ben, je vais mettre quelques mois pour y aller. Quoi. Donc, ça devient vite. Alors, vous voyez, cette barrière luminique, mais c'est les dernières lignes de défense de la communauté scientifique. Jean-Claude parlait tout à l'heure des scientifiques qui disaient « Qui vous dit que nous ne sommes pas la seule planète dans l'univers ?» Mais ça, on a tous entendu un truc comme ça. Tous les plus de 40 ans ont entendu ça à droite et à gauche. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. C'est hallucinant. Un tel moment, les chiffres, il y a de quoi tomber sur les culs. Rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'on va mettre un nouveau télescope sur orbite, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il aura la capacité de faire une analyse spectrale des atmosphères des exoplanètes. Hein, eh bien, dans les années, peut-être même dans les mois, dès que ce sera lancé, on saura, telle planète, il y a du méthane, il y a de l'oxygène, donc il y a la vie. C'est grave. C'est grave, ce serait un truc historique. Première chose, par Archélos, détection d'exoplanètes, nous ne sommes pas la seule planète dans l'univers. Même c'est tout simple, les planètes, c'est un phénomène d'une banalité épouvantable. On pourrait dire quelles sont les étoiles qui n'ont pas de planète autour. Alors, un truc, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qui crée les planètes? Eh bien, quand vous avez les étoiles qui naissent, les étoiles dans une galaxie, elles naissent dans un essaim de 200, 300, 400 étoiles. Le Soleil, il n'est pas né tout seul. Il est né avec des petits copains. Donc, vous aviez un nuage de matière interstellaire, tout. Il y a plein d'étoiles qui naissent. Ces étoiles, effectivement, en moyenne, elles ont souvent la taille du Soleil. Et puis, vous avez, au milieu de tout ça, deux ou trois grosses supernovées. Ces supernovées, elles ont une vie assez courte, hein, du genre 10 millions d'années. Elles explosent et elles fabriquent les atomes. C'est les spores de l'univers. Parce que la vie avec l'hydrogène et l'hélium. Il faut donc un bazar qui, tout d'un coup, boum, fabrique le fer, le chrome, toutes les molécules possibles imaginables. Ensuite, tout ça, ça tend à s'assembler de manière extraordinaire. Quand on fait des études spectrales sur ce qui se passe dans le nuage interstellaire, on trouve toutes les biomolécules de la Terre. Ce qui fait que maintenant, on se dit, la vie, elle naît sur la planète ou est-ce qu'elle est déjà présente sur le cosmos? On n'en sait rien. Mais ça montre une chose, c'est la banalité de cette existence. Ensuite, il y a une chose, c'est, est-ce qu'il faut croire à la science-fiction? Est-ce qu'il y a des planètes habitées par des pieuvres intelligentes? Déjà, une première chose, ici, on a la table de Mendeleïev, on a les atomes avec lesquels on fait la physique, les chimies, etc. Eh bien, ils ont tous la même. Il y a une centaine d'atomes. Hein. Et comment on le sait? C'est la spectroscopie. Au début du siècle, on mettait des spectroscopes, puis tout d'un coup, les gens se sont aperçus que ça, c'est la signature spectrale de tel atome, il y a le même autour du Soleil, il y a le même autour de ceci, autour de cela. Alors, vous avez même un atome assez curieux, on a trouvé cette signature spectrale, et comme on l'a trouvé dans le Soleil, on a trouvé une signature spectrale, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce corps? Et comme on ne le trouvait pas, on l'a appelé hélium, ça vient de Hélios qui est lié au Soleil. Puis un jour, quelqu'un a dit oui, mais l'hélium, il y en a aussi sur Terre. C'était plus rare, mais on l'a trouvé aussi. Donc, autrement dit, on trouve les mêmes atomes partout. Hein. Ensuite,
quand on se met à faire de la détection moléculaire, on trouve les mêmes molécules. Puis on trouve les mêmes biomolécules. Alors la question se pose, est-ce que la nature a tellement d'imagination? Alors en fait, qu'est-ce qui fait que c'est toujours les mêmes molécules, les mêmes atomes qui se forment? Eh bien, ce qui perdure, c'est ce qui est le plus solide. Quand vous avez une supernova, bam, elle fabrique tous les atomes radioactifs possibles et imaginables. Puis il y en a plein qui dégagent. Il vous reste de l'uranium-235 parce qu'il a une durée de vie de 4 milliards et demi d'années, quoi, c'est tout. Mais autrement, les objets qui se forment, ce sont ceux qui sont stables. Et le carbone est un atome très commode, il est tétravalent, il permet de faire des structures relativement stables et relativement souples. Il faut être à la fois stable pour que ça perdure, et puis souple. Donc, à ce moment-là, on se dit, tiens, si je me base sur le phénomène infini, quand il y a la porte qui s'ouvre, il sort un type, il a deux bras, deux jambes. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que tout simplement, c'est pas le standard? Il n'y a pas de pieuvre intelligente dans les autres planètes. Il y a une espèce de... Vous savez, quand on prend l'évolution de la vie sur la Terre, il y a des biotopes qui ont été très très isolés, comme l'Australie, l'Amérique du Sud, et les évolutions ont continué, et on retrouve des souris marsupiales. Et puis nous, on a des souris mammaliennes. Ben, ça se ressemble. Et si ça se trouve, par exemple, il y a une planète où les êtres sont marsupiaux. Alors si vous allez là-bas, c'est pas la peine d'essayer de vendre des soutiens-gorge, il n'y en a pas. Hein. Mais c'est tout à fait possible, tout à fait possible. Alors, regardez le niveau de sophistication, on peut arriver à des loups marsupiaux, à des souris marsupiales, etc. Il y a peut-être un biotope qui fait que les êtres humains marsupiaux étaient plus performants que les mammaliens, puis voilà, c'est tout. Et bien alors, les dames se baladent avec leur bombe dans le ventre, comme ça, pendant un certain temps. Voilà. Donc, le phénomène OVNI nous saute au bout du nez, quoi. Et pour les scientifiques, mais c'est un crime. Moi, je suis un pédophile nazi, vous voyez, franchement. Non, mais sans blague, j'aurais cette étiquette en disant, ah non, on ne peut pas l'écouter, ce type-là, il n'est pas fréquentable. Franchement. Et là, le plus horrible, c'est que je les plante tous. Comme je dis dans mes vidéos, on ne m'invite pas en séminaire parce qu'à ce jeu-là, j'avais perdu un combat. Moi, je suis poli, bien élevé, mais si on me dit que ce que je dis, c'est des années. Parmi un type, il y a 2-3 jours, qui s'y est mis, un scientifique, il a fait un commentaire sur mon travail à la suite d'une de mes vidéos. J'ai vainement essayé d'expliquer à Jean-Pierre Petit ceci, cela. Ça y est, il va me faire chier. Ce matin, j'avais dit la publication, je vais la sortir, je vais la mettre à l'horizontale. Il aura pas volé. Hein. Voilà. Et vous voyez, il y a ce côté, il faut se battre, mon Dieu. Et on est parti pour se battre. Et maintenant, on ne peut pas laisser passer 10 ans comme ça. C'est pas possible, on n'a plus de temps. Moi, j'ai plus le temps. La patience, c'est pas mon sort. Et on se partage un peu le micro. Alors, je voudrais aussi répondre à une question que l'on va poser 3 750 457 fois. Mais enfin, monsieur Bourret, si ce que vous dites était vrai, pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous? J'ai beaucoup réfléchi à cette question essentielle. Pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous? Alors, je vais lancer quelques hypothèses, vous en ferez ou pas votre mienne. Je pense qu'il y a, au niveau galactique, une sorte de morale universelle, exactement comme nous commençons à avoir une morale planétaire avec l'Organisation des Nations Unies, etc. Et qu'il est entendu que lorsque on est dans une civilisation très évoluée par rapport à une autre civilisation, on ne prend pas contact avec la civilisation qui est en cours d'évolution pour ne pas la détruire. Car s'il y avait un contact au sens où nous l'entendons maintenant, entre une civilisation très évoluée et la nôtre, que se passerait-il? Prenons cette hypothèse. Je suis un extraterrestre et je prends contact avec vous. Et je vous dis comment? Vous avez des petites maladies, le cancer, la maladie de Parkinson, Alzheimer. Alors c'est très simple, vous voyez. J'ai une boîte de pilules, là, vous prenez la boîte de pilules, toutes les maladies disparaissent et sont guéries. Plus d'hôpitaux, plus de médecins, plus d'infirmières, plus de cliniques, plus rien. Je dis, comment vous envoyez vos enfants de l'âge de 2 ou 3 ans à la maternelle jusqu'à 27, 28 ans, pour ceux qui font des études supérieures? Mais attendez, amenez-moi les enfants, on les assoit dans cette chaise,
on leur met ce petit système sur la tête, j'appuie sur un bouton, en 2 secondes, ils ont toute la connaissance de l'univers. Plus de maternelle, plus d'école, plus de CM2, plus de lycée, plus de collège, plus d'université, plus de professeurs, plus d'instituteurs. Vous voyez un peu les conséquences. Et tout est comme ça. Donc il ne faut pas avoir une vision simpliste, un peu comme Jean-Pierre l'a décrit à plusieurs reprises avec ses collègues astrophysiciens ou chercheurs. Il ne faut pas avoir une vision simpliste et bien comprendre qu'un contact entre une civilisation venue d'ailleurs et notre civilisation nous détruirait si nous n'avons pas atteint un certain niveau. Certains d'entre vous ont peut-être vu l'émission sur France 2 « Voyage en terre inconnue en Australie ». Levez la main ceux qui l'ont vu. « Voyage en terre inconnue en Australie ». Bon, vous avez compris. Nous qui sommes les plus beaux, les plus intelligents, nous allons voir cette civilisation d'aborigènes. On essaye de les détruire, et presque pas volontairement, parce qu'on les considère comme des sortes de singes qui sont descendus de l'arbre, et on les détruit de 1000 façons, alors, en les empêchant de vivre la connaissance bien supérieure à la nôtre qu'ils ont, parce qu'ils parlent aux plantes, ils parlent aux animaux, ce qui fait rire les imbéciles, qui ne comprennent rien à l'esprit des forêts, etc. Moi, je suis un vieil Africain, j'ai été initié dans la forêt, donc j'ai beaucoup de respect pour cette connaissance initiatique qui est la leur, et c'est pas parce qu'on a des ordinateurs et puis des télescopes qui sont extrêmement puissants qu'on est les maîtres du monde. Il y a beaucoup de civilisations qui ont une connaissance. Les Indiens, par exemple, qu'on a détruits, on leur a volé leur terre en Amérique du Nord, ils avaient des connaissances qui étaient supérieures aux nôtres dans certains domaines. Donc dire pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous, si c'était vrai, ils atterriraient dans la cour d'Élysée en disant on voudrait voir Julie Gayet et le président Hollande. Eh ben non, ils ont une intelligence qui précisément étant différente de la nôtre et sans doute supérieure en termes de hiérarchie, ils ne vont pas faire ce genre de démarche justement pour ne pas nous détruire. Mais nous sommes dans une période de l'histoire des civilisations où je pense que le contact n'est pas loin, il a peut-être même déjà eu lieu. Et puisque nous avons un évêque au premier rang, on en a parlé un petit peu à table ici, je voudrais inciter ceux d'entre vous qui veulent faire un pas de plus sur le chemin de la connaissance, je voudrais les inciter à lire les livres de Moreau, M-A-E-R-O, Biglino, B-I-G-L-I-N-O. Levez la main ceux qui connaissent Moreau, Biglino. Ah, quand même, toi, hein. Vous avez essayé de faire venir, oui, c'est une très bonne idée. Alors Moreau Biglino, qui est-ce? C'est l'un des traducteurs officiels des codex du Vatican. Les codex, ce sont les textes en hébreu ancien sur lesquels sont basées les religions juives pour l'Ancien Testament, chrétiennes pour le Nouveau et l'Ancien Testament, musulmanes, Mahomet est mort en juin 632 et il reconnaissait l'Ancien Testament des Juifs comme étant un livre initiatique, mais dans le Coran, il est dit que les Juifs ont trahi l'Ancien Testament et que donc il est tout à fait naturel de les tuer. Donc voilà, lisez les bouquins de Moreau Biglino, lisez-en au moins un, si vous êtes accroché, vous lirez le second, le troisième et le quatrième, il en a écrit 4 traduits en français, mais surtout, lisez-les dans l'ordre d'apparition, si possible. Alors c'est un petit peu difficile de trouver dans quel ordre il les a écrits, mais ça ce sera quand même assez facile sur le web, parce que je crois qu'il a eu 2 ou 3 éditeurs différents. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il nous dit quoi, Moreau Biglino? Ce que beaucoup d'autres ont écrit avant lui, et ils sont passés comme d'habitude, comme tous les précurseurs, pour des joyeux farfelus. Il nous dit, la Bible ne décrit pas Dieu face à un peuple ou face aux peuples qui nous ont précédés. La Bible décrit une arrivée d'extraterrestres qui se partagent la planète Terre, qui restent un certain temps, puis qui remontent dans leur soucoupe volante et qui revont, peut-être en utilisant ton univers négatif, vers leur étoile ou vers leur planète respective. Donc moi, ça m'a beaucoup apporté parce que ça fait un moment que je travaille sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, les 114 sourates du Coran, les 6226 versets, les 7000 principaux hadiths, notamment ceux du 9e siècle de Bouhari, et il est tout à fait clair que quand on prend l'hypothèse que la Bible
c'est un contact mal compris entre nos ancêtres et une civilisation qui est venue sur Terre et qui s'est partagée des secteurs, ça devient tout à fait lumineux. Alors on comprend ce que sont les vimanas dans la religion hindoue, on comprend ce que sont les vaisseaux qui crachent le feu des Incas, puisque les Incas attendaient le retour de ces dieux au pluriel, qui sont descendus dans des vaisseaux crachant la lumière et le feu, et quand au XVIIe siècle les conquistadors sont revenus avec leurs bateaux à voile et qu'ils ont tiré le canon, ils ont dit tiens c'est les dieux qui reviennent, et les Incas se sont prosternés, etc. On trouve ça dans tous les pays du monde, sur toute la planète. Donc vous voyez, on est dans une période de notre évolution culturelle où nous pouvons plaquer sur des événements qui nous paraissaient il y a encore 50 ans comme incompréhensibles ou devant lesquels il fallait se prosterner sans réfléchir. Maintenant, on peut commencer à coller des étiquettes et à comprendre ce qui se passe. Oui, mais il y a un autre phénomène qui interdit le contact, qui est beaucoup plus grave que l'ethnocide, beaucoup plus grave que l'aspect culturel, c'est le transfert technologique. Alors, je peux vous en témoigner, après 40 années de travaux là-dedans, les seuls qui s'intéressent au phénomène OVNI, ce sont les militaires. Et la seule chose qu'ils cherchent, c'est à comprendre pour faire des armes. Prenez par exemple le rapport Cometa, vous le lisez. Qu'est-ce que vous trouvez dans ce rapport? Vous trouvez des officiers supérieurs qui disent « Les Américains ont tiré des informations très importantes et nous aussi, il faudrait qu'on en ait. Pourquoi faire ?» Ah, et les ovnis et la défense, à quoi devons-nous nous préparer? C'est fou, quoi. Autrement dit, la défense. Avant tout, faire des armes. Or, déjà, avec le nucléaire, c'est complètement surdimensionné. On a des armes de fin du monde qui sont dans les mains d'abrutis, quoi. On se demande en ce moment, est-ce que tout d'un coup, peut-être les Américains vont créer un incident et les Nord-Coréens vont envoyer le premier pétard et ça va démarrer. C'est de la folie, un truc pareil. On se dit seulement, ça n'est pas possible. Non, on ne sait jamais. L'histoire, elle est invraisemblable. Alors, il y a bien pire que ça. Il y a certainement des armes antimatière qui ont des capacités de destruction beaucoup plus grandes. Je dirais même la chose suivante, c'est que le voyage interstellaire, ça repose sur une technologie nouvelle. Et cette technologie nouvelle, bon, c'est l'inversion de la masse. Mais l'inversion de la masse, ça peut être aussi l'inversion de la charge électrique. Et si on prend un objet quelconque, d'un kilo, et qu'on inverse sa charge électrique, on transforme en antimatière. Et une arme comme ça, ça a la puissance de destruction de 10 000 bombes atomiques. Bon, si on met en plus ça entre les mains des gens, c'est pas possible. Hein. Imaginez l'extraterrestre, écoutez, on veut bien entrer en contact, mais il y a certainement quelque chose qui va filtrer, il y a deux ou trois imbéciles qui vont rattraper ça, qui vont jouer avec. Et on est trop intelligent, on est capable d'assimiler ces choses-là. C'est infernal un truc pareil, complètement infernal. Alors il n'y a pas que le grand désordre, parce que ce grand désordre planétaire, est-ce qu'il n'est pas déjà là? Regardez un petit peu les catastrophes qui vont se produire avec l'athéisme musulman, cette espèce de folie complète, d'hystérie, de violence, avec l'imbécilité du capitalisme triomphant américain. On n'a jamais été pire que maintenant. Hein. Ça ne s'améliore pas, c'est une catastrophe. Cette mondialisation qui fait qu'il y a des gens de plus en plus riches et des gens de plus en plus pauvres, c'est une aberration, un truc pareil. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Figurez-vous que même dans ces situations de crise, on a connu des histoires où il y a des pays qui s'en sont sortis. Et l'exemple le plus intéressant, c'est celui du Japon. Hein. Le Japon, tout d'un coup, avait un empereur qui s'appelait Meiji, et cet empereur se dit, regardez, l'Indochine, elle a été colonisée par les Français. Les Indochinois, ils sont ratatinés, ils sont colonisés. Regardez la Malaisie, pareil, ceci. Il va nous arriver la même chose. Donc si on ne prend pas conscience et si on n'acquiert pas les technologies occidentales, on est foutu. Vous avez vu la vitesse à laquelle ils sont allés? C'est absolument hallucinant. Vous savez que l'empereur Meiji a envoyé ses émissaires en Allemagne, en Angleterre, en ceci, en cela. Il s'est dit, bon, on va se créer une armée sur le modèle de... pays, oh, on va prendre les Prussiens, ils sont pas mal. On va prendre tel pays, oh, ça va être la santé. Ça, c'est pour la marine. Il y a même un ingénieur polytechnicien français qui a été un précurseur dans les cuirassés. C'est-à-dire qu'il a été le premier à dire les bateaux, il faut les faire en fer. Le bois, ça sert à rien. Les gens disaient, mais bon Dieu, les bateaux en fer, ils vont couler. Mais non, on fait des caissons étanches. Pour ce type-là, il était en France, il essayait de se battre pour qu'on ait une flotte cuirassée. L'empereur Meiji dit, vous allez en faire ça chez nous. Et ils avaient une flotte extrêmement moderne. Alors après, il y a eu la bataille de Tuchino, ils ont ratiboisé complètement les Russes. Vous vous rappelez la guerre russo-japonaise? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que disait le Français? Il disait, il faut avoir des canons à l'emporter.
faut avoir des trucs qui tirent à 20 km. À 20 km, vous croyez pourquoi? Oui, bien sûr. Alors, à un moment, il y avait la flotte russe qui est dans un port. Ils sont arrivés, ils ont détruit les bateaux dans le port à 20 km, tirant les obus. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez à regarder le Japon. Il n'a pas de ressources minières, il n'a pas de pétrole, il n'y a rien au Japon. Il y a des montagnes, il y a des cailloux, tout ça. Il était obligé de tout importer. Alors cela a donné un aspect extrêmement impérialiste pour essayer de s'approvisionner tout ce qui est autour. Bon, mais moi je voyais un film hier à propos des avions japonais. Quand il y a eu Pearl Harbor, les Américains ont ouvert des yeux ronds quand ils ont vu le zéro, quand ils ont vu des avions comme ça. Ils n'avaient pas idée que les Japonais puissent avoir des appareils qui soient plus performants que les leurs. Parce qu'en 1941, le zéro, du monde, oui, c'est tout, etc. Bon, et maintenant, après la guerre, le Japon est complètement ratatiné. Qu'est-ce qui se passe? 30 ans après, ils dominent tout le monde sur le plan économique. Hein. Donc, et ceci étant, ils ont gardé leur petite culture rétrograde, leur petit machin, leur petit truc et tout ça. Ils ne sont pas morts. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait des ethnies qui puissent changer, faire un saut technologique aussi important, sans perdre leur identité, c'est faisable. Maintenant, il y en a qui vont rester sur le carreau. Alors, moi, je ne m'intéresse plus, je vous le dis tout de suite, aux témoignages. Ça va. J'ai eu ma dose, j'ai donné ceux qui veulent savoir. Oui, mais alors, quand est-ce que le soucoupe volante s'est posé dans le champ de M. Michu, que son tracteur est tombé en panne? J'ai écrit 4 livres là-dessus, j'ai arrêté, parce que je pourrais en écrire un tous les ans. Donc on le sait. On le sait qu'il n'est pas de jour qui passe sans que quelqu'un sur la planète Terre ne voit un objet volant dans l'identité. On le sait. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'où ils viennent, ils au pluriel, qu'est-ce qu'ils nous veulent, comment se peut produire le contact, qu'est-ce que ça peut apporter à notre civilisation pour un progrès. Voilà. C'est là que va avoir lieu le véritable choc, la véritable bataille. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas autant de crétins sur l'une de ces planètes qu'il y en a sur notre planète. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas un dictateur sur une autre planète qui ne serait peut-être pas très en avance par rapport à la nôtre, qui n'aurait que, je ne sais pas, 500 ans ou 1000 ans ou 2000 ans, et qui viendrait et qui nous détruirait. C'est un scénario, d'ailleurs, qui a été demandé à plusieurs universités américaines, qui ont reçu des crédits de l'armée américaine, sur le thème « S'ils nous attaquent, qu'est-ce qu'on fait ?» Ça a donné lieu à pas mal de films dont vous avez gardé en mémoire certainement les scènes rocambolesques, mais il est clair que ce jour-là, si nous sommes attaqués par une civilisation venue d'ailleurs, avec une technologie qui est nettement plus en avance que la nôtre, on est ratiboisé. Il y a une autre porte que j'ai ouverte. Avec une norme biologique, simplement, c'est le plus efficace. On prend un virus qui élimine les humains, 3 mois après, une personne. Voilà, c'est tout. Oui, et il y a aussi une autre porte que j'ai ouverte sur le thème qu'est-ce qui va se passer dans notre avenir relativement proche, c'est-à-dire dans les 10, 20, 30 ans. Dans mon environnement familial, on me dit, mais tu rêves, bon, enfin tout ça. Parce que moi, je redoute. Disons, je suis très vigilant sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Et ça fait longtemps que je pense à ça. Je pense qu'un jour ou l'autre, l'intelligence artificielle peut prendre le pouvoir et détruire l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est la logique. Si vous mettez dans des ordinateurs qui sont reliés entre eux et qui ont une capacité de réflexion, d'intelligence et de connaissance dont vous n'avez même pas idée, parce que vous avez tous des smartphones, et sur vos smartphones, vous avez tous des applications. Il y a près de 2 milliards de smartphones dans le monde. Et avec ce smartphone, on sait tout de moi, où je suis, combien de pas j'ai fait, éventuellement, quelle est mon analyse de sang, etc. On sait tout de moi, en temps réel en plus. Et un jour, l'intelligence artificielle peut prendre le pouvoir et tuer l'humanité. Parce que l'humanité n'est peut-être qu'une étape dans l'évolution des intelligences. Ce qui expliquerait certains témoignages d'objets volants non identifiés. Moi, j'avais été très frappé par des témoignages, je me souviens notamment d'une institutrice. C'est dans l'un de mes bouquins. Elle fait du camping avec son mari, et puis elle entend un bruit bizarre, elle regarde à travers la tente, il est minuit, minuit et demi, elle voit un objet volant non identifié qui s'est posé pas très loin de sa tente, et elle voit, elle le dit, quelque chose comme une sorte de robot avec deux yeux un peu lumineux, comme ça, qui s'approche de la tente,
Et elle me dit, à ce moment-là, mon mari et moi, on était paralysés par une peur qui n'était pas une peur normale. On peut avoir peur, vous marchez tranquillement le soir dans un chemin mal éclairé, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui sort, mais où ? Bon, ça, on sait ce que c'est. Mais là, elle me dit, c'était comme une peur qui était émise par cette chose que je considère comme un robot. Or, si l'intelligence artificielle prend le pouvoir, elle ne tuera pas l'humanité en prenant des robots guerriers qui, si vous allez sur le web, vous verrez plein d'expérimentations qui sont faites en ce moment, le robot tout métallique avec un ordinateur à la place du cerveau qui a des mitrailleuses, une mitrailleuse en chemin et qui va tirer. Non ! L'intelligence artificielle, elle va simplement décider de couper l'électricité. Voilà, c'est très simple. Elle a les moyens de couper l'électricité en supprimant ce qui nous relie aux centrales nucléaires ou aux barrages hydroélectriques. Et moi, je l'ai vécu, ça, en 1987, quand il y a eu la fameuse tempête de Bretagne, dont on ne se souvient pas, parce qu'en même temps, la bourse avait chuté de plus de 10%, et tout le monde faisait des titres sur la bourse, et personne ne faisait des titres sur le fait que la Bretagne n'avait plus d'électricité, parce que la tempête, qui soufflait à 210 km/h, avait ratiboisé toutes les lignes électriques. Moi, à l'époque, j'avais une maison près de Saint-Malo, et je suis allé voir les dégâts. Pas d'électricité, 24 heures, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. On a commencé à remettre l'électricité au bout de 8 jours. Qu'est-ce qui se passe ? L'extraordinaire fragilité de notre société m'est atteinte. Pas d'électricité, ça veut dire quoi ? Pas d'essence, pas de gazole. Toutes les pompes à essence fonctionnent avec le moteur électrique. Impossibilité d'acheter quoi que ce soit. Vous allez chez le marchand, vous direz, tiens, je voudrais 3 kilos de pommes de terre. Ah ben oui, mais monsieur, les cartes magnétiques ne fonctionnent pas, les lecteurs de cartes ne fonctionnent pas. Vous pouvez pas retirer de l'argent dans les distributeurs automatiques. Le deuxième jour, toutes les alarmes se sont mises à sonner dans les villas, parce qu'il y a des batteries qui ont une capacité de 48 heures, de telle façon que si c'est des voleurs qui viennent couper les fils chez vous pour neutraliser éventuellement l'alarme, c'est sur batterie, mais au bout de deux jours, quand il n'y a plus que 10 ou 20% dans les batteries, ça déclenche les alarmes. Le troisième jour, il y avait des mètres cubes d'aliments jetés sur les trottoirs par les supermarchés, parce que les congélateurs, qui ne fonctionnaient plus depuis un peu plus de deux jours, avaient une température qui obligeait les supermarchés à jeter la nourriture. Les gendarmeries, la police ne fonctionnaient plus, ils n'avaient plus d'essence. Les téléphones portables ne fonctionnaient plus. Le troisième jour, les téléphones fixes ne fonctionnaient plus, puisqu'il y a des batteries qui permettent de tenir presque trois jours, mais presque trois jours, le temps qu'on rétablisse si jamais il y a une tempête ou quelque chose. Donc déjà, le troisième jour, c'était le cataclysme total. Les gens commençaient à avoir faim. T'as pas quelque chose à nous filer, etc. Plus d'électricité le soir, le premier soir, c'est sympa, on met des bougies. Le deuxième soir, on remet des bougies, mais les bougies ont bien baissé, et puis il faut en acheter, mais on ne peut pas en acheter. Donc vous voyez l'extraordinaire fragilité de notre société. Alors les gens commençaient à s'organiser, parce que bon, ce n'était pas sur l'ensemble de la planète, c'était sur une zone d'à peu près de 250 à 300 km de diamètre. Il y avait des gens qui allaient chercher avec des bidons de l'essence au-delà de Rennes, où il y avait de l'électricité, ils revenaient, et le litre de gazole qu'ils avaient payé, je dis n'importe quoi, 1 euro, ils le vendaient 3,50 euros. Enfin ça, c'est l'humanité classique. Mais vous imaginez si c'est au niveau de la planète. On supprime l'électricité partout. Pas d'ordinateur, pas de portable, plus rien ne marche. Dès le troisième jour, c'est la panique absolue. Donc l'intelligence artificielle, elle peut très bien détruire l'humanité très rapidement. Alors tout le monde ne sera pas mort en 24 heures, ni en 8 jours, mais ça va faire quand même très rapidement de sacrés dégâts. Mais l'homme, elle se détruit aussi ? Oui, mais enfin, au point de vue de l'intelligence artificielle, on a actuellement atteint le niveau de la bêtise, quoi. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais aussi, une chose, c'est que cette intelligence artificielle, elle serait utilisée au niveau militaire pour donner une certaine autonomie aux drones, pour donner une certaine autonomie aux robots, quoi. On commencera à voir un peu apparaître ce genre de choses. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer comme futur, hein ? D'abord, le phénomène OVNI, si on prend conscience de son existence, ça peut être très progressif. Tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple de ces stations UFO-catch qui enregistrent des trajectoires de trucs, etc.
Bon, si vous êtes, il y en a un certain nombre. Et si vous êtes des extraterrestres, dites, tiens, on va faire une petite expérience, on va se révéler à eux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils diront, ben voilà, ici, il y a 5 stations, on va faire un peu les zigotos, on va faire des virages, etc. À ce moment-là, ah, dans la presse, X personnes ont enregistré un truc et ça fait des virages en angle droit avec des vitesses aussi. Alors les scientifiques diront, c'est les appareils qui déconnent, etc. Mais vous voyez, il y a une espèce d'ajout par petites touches. On essaye, on regarde, on essaye, on regarde. Et puis bon, on en met une couche. Quoi. C'est pas forcément à l'intérieur de ce groupe, place de la Concorde. Quoi. Ça peut être des trucs comme ça. Et il y a un moment où les pouvoirs publics vont être ébranlés. Parce qu'on dira au président, monsieur le président, qu'est-ce que vous faites par rapport à cet événement? Ah, et bien, nos meilleurs spécialistes sont à l'ouvrage pour essayer d'analyser ceci, cela. C'est extraordinaire. Donc, il y a cette mise en doute du pouvoir politique dans le monde entier. Et puis ça peut être le pouvoir religieux. Si vous avez des religieux qui font chier, vous pourriez bien avoir un ovni qui vient, qui fait un petit quelque chose. Hein. Imaginez la Kaaba repeinte en vert, par exemple, ou le dôme de Saint-Pierre de Rome en peinture bleue, quoi, par exemple. Hein. Ça ferait un choc. Ça. Il y a incontestablement un rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers les livres de Gros Biglino, mais moi, ça fait très longtemps que j'ai ce sentiment, entre l'origine de nos religions, quelles qu'elles soient, et les objets volants non identifiés. Si vous prenez l'islam, qui est la religion la plus récente, donc je rappelle Mahomet mort en juin, le 8 juin 632, le 8 ou le 6, c'est une petite interrogation sur le jour, mais enfin on s'en fiche, il ne savait ni lire ni écrire, et il n'avait pas écrit une ligne du Coran. On ne sait pas quand le Coran a été écrit, ni qui a écrit le Coran. Alors, déjà, il faut le savoir. D'après les docteurs de la loi, c'est entre 21 ans et 150 ans après la mort de Mahomet. Donc, vous voyez, ça donne une marge. Mais, parmi les 114 sourates, il y en a plusieurs qui sont intéressantes, notamment la sourate 53, l'étoile, où Mahomet explique comment il a reçu le Coran, puisque pour le musulman croyant, le Coran, c'est directement la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est une horreur si vous discutez de l'origine du Coran, c'est un sacrilège total. Enfin, si Dieu nous a donné, en tout cas le Créateur, une intelligence et la capacité d'analyser et de critiquer, c'est qu'il l'a bien voulu et que nous devons nous en servir. Donc dans la sourate 53, l'étoile, Mahomet explique qu'il voit l'archange Djibril, l'archange Gabriel. Pourquoi l'archange Gabriel? L'archange Gabriel, il vient des juifs et des chrétiens. Donc, il voit l'archange Djibril à moins de 2 portées d'arc. Une portée d'arc, c'est 50 mètres. Donc, il voit à moins de 100 mètres, c'est-à-dire comme d'ici à l'angle du bâtiment, il voit l'archange Djibril qui est en l'air, en sustentation, et qui lui parle, et qui lui dit, tu vas écrire ce que Dieu m'a chargé de te transmettre. Et Mahomet lui dit, Seigneur, je ne sais pas écrire. Ce qui est drôle, parce que je vois bien Coluche faire un gag là-dessus. Alors vous avez Dieu qui dit, il appelle un de ses serviteurs, allez, viens ici, Gabriel, viens là, tu vas aller sur la planète Terre, tu vas me choisir un mec intelligent qui sache écrire et tu vas lui dicter le Coran. Arrosant, chef. Et alors il descend avec sa soucoupe volante et puis il tombe sur un type, il dit, bah, tiens, c'est toi, je l'ai choisi. Et le mec, il sait ni lire ni écrire. De quoi se poser quelques questions sur la pertinence, l'intelligence et la force de Dieu. Mais si vous prenez les juifs et les chrétiens, c'est exactement la même chose. Si vous prenez quelque chose de récent, moi, qui me fascine, parce que j'avais eu un témoignage direct, c'est Fatima. Fatima, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que Fatima. Fatima, c'est deux petites bergères et un berger qui, le 13 mai 1917, voient apparaître la Dama de Luz, la Dame de Lumière. Cette dame leur parle, sans parler, c'est-à-dire qu'ils reçoivent directement dans leur tête un message. Et puis ils rentrent, ils sont complètement bouleversés, ils abandonnent les bêtes, pour tous ceux qui savent ce que c'est que la campagne, ça veut dire qu'ils ont été quand même sacrément perturbés, parce qu'on n'abandonne jamais les bêtes. Ils reçoivent d'ailleurs une paire de claques en disant comment ça se fait que d'abandonner les bêtes, je crois que c'était des moutons à l'époque. Et la dame leur dit, mais je reviendrai le 13 du mois suivant. Ben, c'est pour ça que Fatima est fascinant. Je reviendrai le 13 juillet.
Alors, ça se sait, bon, il n'y a pas BFM TV à l'époque, mais il y a le bouche à oreille à travers les marchés. Ah, il y a des gosses qui ont vu la Sainte Vierge, et puis il paraît qu'elle va revenir le 13. Alors, le 13 du mois suivant, il y a peut-être 100 ou 150 personnes qui voient arriver dans le ciel ce point lumineux, et puis cette chose qui descend, c'est pas très bien ce que c'est, et puis ça se répand. Et elle dit, je reviendrai le 13 août. Alors le 13 août, il y a peut-être 2000 personnes qui voient la même chose. Et puis, ils sont enfermés, ils sont mis en prison parce que ça commence à faire vraiment une grosse agitation. Le socialisme commence à arriver, le socialisme et le communisme, puisque la révolution russe, c'est un an plus tard, mais elle bouillonne déjà un peu partout dans tous les pays d'Europe. Et il y avait un étudiant socialiste qui est devenu médecin au Portugal et qui a dit... Bon, ben, je suis venu pour la dernière représentation, entre guillemets, de ce truc bidon de la Sainte Vierge qui apparaît le 13 de chaque mois. Donc il est là le 13 octobre 1917, qui est le dernier jour de la dernière apparition. C'est la sixième, quand même. Il y a eu six rendez-vous. Et il dit, j'y suis allé parce que, comme j'étais socialiste et très engagé contre les curés, j'ai voulu être là pour dire j'y étais et il n'y avait rien, tout ça c'est complètement pipeau, c'est une invention des curés. Il pleuvait ce jour-là, il m'a écrit une longue lettre que je publie dans l'un de mes quatre premiers livres. Parce qu'il écoutait France Inter sur les grandes ondes au Portugal. Et il était à la retraite et à l'époque il devait avoir, je ne sais pas, 22-23 ans. Mais il écoutait cette radio en 73 et il m'a écrit de dire voilà le témoignage. Il dit, pleuvait, on était tous trempés, et puis on voit d'un seul coup le soleil qui traverse la couche de nuages, un disque argenté, doré, merveilleux, que l'on pouvait regarder en face sans être ébloui. Évidemment, ce n'est pas le soleil qui a traversé la couche des nuages, sinon on ne serait pas là pour se raconter des histoires. C'est combien? C'est 2 milliards ou 3 milliards la température à la surface du soleil? 6400 degrés. Bon. Toujours un peu d'exagération chez les journalistes, c'est bien. Donc 6400 degrés, on ne serait pas là pour s'inventer des histoires. Et on s'est tous jetés à genoux, dans la boue. Et on s'est mis à prier, y compris moi, socialiste, qui bouffait du curé tous les jours. Nos vêtements ont été séchés en quelques minutes. Donc il y a eu un phénomène physique. 13 octobre 1917. Et puis... le soleil, enfin le disque doré, retraverse la couche des nuages, reprend sa position dans le ciel, et nous sommes toujours vivants, puisque presque 100 ans après, et ben voilà, la planète Terre n'a pas été détruite. Mais qu'est-ce que c'est que ce miracle à répétition, le 13 de chaque mois jusqu'au 13 octobre 1917, avec le dernier jour, 13 octobre 1917, je ne sais pas combien il y avait de personnes, on dit entre 60 000 et 100 000 personnes, ce qui est énorme évidemment par rapport à l'époque, mais au moins 60 000 personnes qui ont toutes vu la même chose, qui ont toutes témoigné, etc. Allez chercher sur le web « Miracle de Fatima » et vous allez voir que pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous, ben là ils ont pris contact avec nous et ils nous ont un peu baladés, manipulés, parce qu'ils doivent savoir qu'à l'époque déjà on était des débiles profonds, là aujourd'hui on a évolué. On n'est plus que des débiles moyens. Le jour où on ne sera plus des débiles moyens et où on commencera à avoir notre intelligence à 100% par rapport à l'heure, peut-être qu'eux, ils prendront contact. Mais vous voyez, demain, certains d'entre vous vont aller voter. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas pour qui voter. Moi, je suis frappé de constater qu'il n'y a pas... Alors, sauf peut-être Cheminade, je crois. Oui, Cheminade parle un peu du cosmos. Mais on est les rois du monde, demain. On ne sait même pas ce que c'est que la Belgique, la Suisse, l'Italie, parlons pas des États-Unis ou de la Russie, ou de la Chine, ou de la Corée du Nord, ou de la Corée du Sud, ou de l'Australie. Il n'y a pratiquement pas un mot là-dessus. C'est, si tu votes pour moi, mon pote, tu auras moins d'impôts, tu vas avoir 600 euros de plus par mois, tu auras la retraite à 60 ans. Bon, je ne méprise pas ça. Il faut bien qu'on ait de quoi payer dans notre assiette. Mais si on avait un peu une vision cosmique de notre situation planétaire, je pense qu'on prendrait une dimension qui ferait honneur à l'humanité et qui serait beaucoup plus proche de notre avenir qu'elle y avait aujourd'hui. Voilà.
Vous savez, pour les ovnis, il y a des coins, c'est comme à la pêche. Alors, ils avaient des 4x4, ils allaient se promener près d'un endroit qui s'appelait Ostunaki Peak, qui se trouve en Arizona, comme ça. Et lui, il avait assisté à un balai où il y avait des ovnis qui faisaient des signaux, il y avait des signaux au sol qui répondaient. Donc, de toute façon, qu'il y ait des contacts entre des gens à terre, des militaires et des ovnis, c'est pas impossible. Mais là, effectivement, on est dans à la frontière de la fabulation. On peut pas dire que ce soit vrai, on peut pas dire que ce soit faux. En fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'après 50 ans d'études de ce phénomène ovni, on n'en a pas le contour. Bon, j'ai répondu. Okay. Alors, je voudrais dire à la personne qui m'a fait un moulage de son sexe en me faisant croire que c'était un objet volant non identifié, bien essayé, mais mon vieux, tu es démasqué, petit extraterrestre. Parce qu'on sait tous qu'ils ont un sexe très court. Voilà. Alors après cette petite note d'humour, qui veut poser une question sérieuse? Allez-y, là. Alors, on ne peut pas leur donner un micro, ces jeunes gens? Voilà. On les écoute bien. Merci. Je voulais vous demander ce que vous pensez du phénomène drone au-dessus des centrales nucléaires dont il a été parlé il y a quelques temps. Merci. Alors, sous l'angle, est-ce qu'il n'y aurait pas des objets volants non identifiés? Alors, pour ceux d'entre vous qui ont vu, ça a été diffusé plusieurs fois sur RMC Découverte, une enquête sur les objets volants non identifiés où ils m'avaient interrogé. Moi, j'ai été contacté par un confrère de France 2 qui faisait effectivement un reportage sur la sécurité sur les centrales nucléaires et qui a été confronté à quelque chose d'absolument impossible à définir. Vous l'avez peut-être vu à la télé. C'est cette espèce de nuage, on aurait dit un ange à un moment donné, ce qui pourrait expliquer certaines apparitions, observations et témoignages qui sont venus du passé en disant on a vu un ange dans le ciel, parce que ça ressemblait beaucoup à un ange, avec à un moment donné on aurait dit des ailes blanches, etc., etc. Alors les drones et les centrales nucléaires, la seule chose que je puisse vous dire, puisque comme vous le savez je travaille pour la gendarmerie nationale, c'est que c'est pris très très au sérieux, pas sous l'angle des ovnis, mais sous l'angle est-ce que Daesh pourrait pas, via des drones ou je ne sais quel moyen, qu'on n'a pas forcément encore imaginé, attaquer une centrale pour la faire exploser. Mais enfin là, on entre dans le domaine de la vie politique quotidienne, qui n'est pas forcément extrêmement réjouissante et drôle, et intelligente. Sous l'angle des ovnis, je n'ai rien entendu. Je pourrais peut-être préciser juste une chose, et ça je l'avais entendu, à propos de ces drones, il y en a qui ont été pris en chasse par des hélicoptères, et les hélicoptères n'ont pas réussi à les rattraper, par exemple. Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas, je n'ai vu aucun rapport là-dessus, d'une part. Deuxièmement, les hélicoptères ne prennent pas en chasse les drones. Ce qui est vrai, c'est qu'on a mis au point plusieurs techniques, dont certaines restent confidentielles de défense, donc ne comptez pas sur moi pour les révéler. Mais il y en a d'autres qui ont consisté à prendre des spécialistes des aigles, de les éduquer, de les mettre avec des dresseurs qui sont des militaires professionnels, notamment une femme qui les a très bien. Et donc au-dessus de certaines centrales, vous avez des aigles qui sont là, et dès qu'il y a un drone qui apparaît, on lâche l'aigle, il va attraper le drone, et il le rapporte. Mais bon, on ne sait pas comment protéger les centrales face aux drones qui viennent les survoler. Alors ces drones, d'où viennent-ils? On a plusieurs pistes, évidemment. Vous avez toujours les joyaux rigolos, puisqu'un drone, ça vaut quelques centaines d'euros, donc c'est quand même à la portée de beaucoup de gens, qui s'amusent à les survoler, puis qui les mettent sur le web en disant « T'as vu, j'ai survolé une centrale nucléaire », exactement comme vous avez des gars à moto qui font le tour du périphérique, le tour de Paris, à 210 de moyenne, la nuit, à 3h du matin. Donc, voilà. Mais avec les objets volants non identifiés, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait un rapport entre les ovnis et les drones. Y a-t-il d'autres questions? Attends. Merci. Il m'a été donné de faire pour les HEDN un rapport sur ces événements de fin 14, début 15 pour essayer de donner un avis sur, de la part de quelqu'un qui pilote des drones.
Moi, je ne sais pas sûr que vous avez une classification. Vous pouvez partir du jouet jusqu'à l'engin militaire plutôt malfaisant. Et puis, en partant de la plage jusqu'à l'Elysée, on s'aperçoit qu'on peut faire une classification. Et je me suis permis de rajouter OVNI pour la raison suivante, dans la liste qui n'était pas prévue. Hein. C'est que le patron de la centrale du Blayais, qui est pas un imbécile, a mis dans son rapport de 2014 sur le fonctionnement de la centrale qu'il avait, lui, constaté qu'il s'agissait d'OVNI et non pas de drone. Donc c'est écrit noir sur blanc. Et c'est quelqu'un qui s'est sacrément engagé vis-à-vis de l'EDF. Oui, mais OVNI ne veut pas forcément dire extraterrestre dans le langage administratif. C'est un objet volant non identifié. Ça peut être un avion, ça peut être un hélicoptère, ça peut être... On ne parle pas d'avion ce soir, on parle d'OVNI. Non, oui, oui. Moi, c'était juste un petit détail. Sur Fukushima, il paraît qu'il y avait des présences, justement. Oui, oui. C'est ce que j'avais entendu. À ma connaissance, je ne suis pas au courant. Sur pareil, il y a des tas de vidéos qui font des tas de choses, mais le problème des vidéos, c'est qu'on peut les truquer. Voilà. Ah, voilà. C'est pas une preuve maintenant. Autre question. Allô? Allez-y, allez-y. Moi, je voudrais vous demander votre point de vue sur les cercles de culture. Je sais que c'est très aléatoire, que c'est très discuté, mais... en tant que petit observateur internet, il y a des choses qui me surprennent beaucoup. Ben, moi aussi, vous aussi, on ne sait pas quoi dire face à un truc comme ça, parce qu'effectivement, on peut peut-être agir sur les végétaux à partir d'avions, à partir de stations spatiales, pour tester justement des armes à micro-ondes qui sont capables de faire des tas de trucs. Je ne sais pas. Je suis sans... Ça me fait plaisir, parce que vous les scientifiques, vous ne savez pas plus que moi. Oh, merci beaucoup. Deuxième chose. Je voudrais... j'ai vu le titre dans votre livre que je viens d'acheter, là, au sujet des déchets nucléaires. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler quelques temps sur Marcoul et sur Calarache. J'étais pas un chercheur, j'étais simplement un pompier. Et je dois vous avouer qu'à cette époque-là, donc, il y a 20 ans que je suis retraité, donc, c'est il y a quelques 25-30 ans, j'avais eu beaucoup peur. Mais on parlait des centrales nucléaires comme quelque chose qui avait encore du temps pour vivre. Et maintenant, les centrales nucléaires, elles sont comme nous. Elles vieillissent, elles ont 60 ans. Et qu'est-ce qu'on va faire des déchets nucléaires pour nos enfants? Comment vont-ils traiter tous ces furoncles qu'on leur laisse? Nous sommes une société d'enfoirés. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Totalement. Merci. Totalement, enfin, d'accord avec vous. C'est une catastrophe. Le projet d'enfouissement de mur, ça ne marche pas. Quoi. Mettre ses déchets dans de l'argile, comme ça, c'est dangereux. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est les laisser sur place. Et on ne sait même pas démanteler une centrale. Mais je veux dire, Mélenchon est le seul qui a pris conscience de sa politique. Oula, attention, tu... Non. Non. C'est le seul qui dit il faut arrêter tout de suite. Ça, c'est moi aussi, c'est mon message. Mais quand j'aurai fini ces vidéos Janus, je ferai des vidéos sur le nucléaire et ce sera le message. Voilà. Il ne s'agit pas de faire un mix, il s'agit d'arrêter. C'est mortifère, ce truc-là. Si jamais il y a un accident nucléaire du côté de Lyon qui a le Mistral, tout la vallée du Rhône est pourrie. Vous avez vu les documents diffusés par le ministère de l'Intérieur, que faire en cas d'accident nucléaire majeur? Mais c'est aberrant qu'on ait un truc pareil. On veut bien avoir à faire face à un accident météorologique catastrophique, mais ça c'est vraiment se foutre la merde sur la tête, quoi. Hein, fabriquer des centrales nucléaires et après, si jamais ça pète, voilà ce qu'il faut faire, c'est foutre. Regardez Fukushima, regardez les cœurs des réacteurs qui s'enfoncent, on ne sait pas où ils sont. C'est insoluble, Fukushima, insoluble. On a créé l'exemple même d'une situation catastrophique. On peut avoir les mêmes. Tout à l'heure, il parlait de... C'est Blayen, du côté de la Gironde, c'est ça. Bon, et ben, il y a une chose, c'est qu'il y avait plusieurs pompes, plusieurs groupes électrogènes de secours pour faire le pompage. Il y en a... un certain nombre qui sont partis en live, il y en a un qui marchait, grâce auquel le refroidissement de l'acteur a pu continuer. Il y avait toutes les pompes qui s'arrêtaient, on était dans Fukushima bis. Voilà. Fukushima, Jean-Pierre a totalement raison, on n'en parle plus comme si l'affaire était réglée. On en a pour des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'années.
la radioactivité est tellement extraordinaire que les robots, ça je ne le savais pas, parce que je pensais qu'un robot n'était pas sensible aux radiations, les robots sont détruits en 10 secondes, donc on ne sait même pas ce qu'il y a dans le trou où le cœur du nucléaire est en train de s'enfoncer. Et un homme est tué en une demi-seconde. Donc voilà, on ne sait pas, il y en a pour 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, on ne sait pas. Parce qu'il y a des matériaux radioactifs, là je parle sous le contrôle de mon ami Jean-Pierre Petit, à qui j'ai encore donné un cours sur, hier soir, sur le nucléaire, hein, parce que tu n'y connais rien. je ne sais plus quelles sont les durées de vie de l'uranium-235, etc. C'est 100 000 ans ou 2 millions d'années, je ne me souviens plus. Enfin, c'est absolument colossal. Bon, messieurs. Bon. Quelle est la formidable découverte? S'il vous plaît. Quelle est la formidable découverte? Il faut acheter le livre. Il faut acheter le livre. La formidable découverte, c'est qu'il y a un modèle cosmologique qui tient bien la route, qui est solide, avec un univers qui a un endroit et un envers, et sur l'envers, la vitesse de la lumière est 10 fois plus importante. Donc ça bat en brèche la ligne de défense des scientifiques disant « Bien sûr, la vie existe, mais heureusement, il mettrait 10 000 ans à venir nous voir. » C'est pas vrai. Hein. C'est ça qui était la découverte. Tu as eu tort de dévoiler une partie de ce qu'il y a dans le livre. Tu as eu tort. On va perdre des ventes. Je voudrais vous poser une question sur le fait que... S'il vous plaît. Vous nous expliquez... Attendez, on va vous donner un micro. Attendez. Oh, attendez, attendez. Attendez d'avoir un micro. Oui, alors allez-y là-bas. Pour en revenir aux ovnis, il y a des hommes politiques à travers le monde qui témoignent de contacts, notamment le président Medvedev, ou Paul Ehler, qui était l'ancien ministre de la Défense. Et à ce titre, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous pensez, si vous tenez ces propos comme véracité. Paul Ehler, j'ai été en contact avec lui. Il a une chose, ce brave homme, c'est qu'il est âgé. Je crois qu'il a 95 ans, comme ça. Alors il fait ce qu'il peut, mais vous savez, moi, à 80 ans, je suis déjà fatigué, mais à 96, c'est pas commun. Hein. Alors, il s'était occupé du phénomène OVNI, mais il s'occupe aussi des problèmes monétaires, il s'occupe aussi de la mafia de l'argent, quoi. Alors il se bat sur des domaines. Et moi, il y a 6 mois, il m'a dit « Je suis investi là-dedans, je peux pas être partout. » Enfin, il est certain qu'il a eu des tuyaux sur des histoires d'OVNI qui étaient sérieuses. Quoi. Autre question. Oui, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur les contacts avec les extraterrestres. Mais supposons qu'ils ont reçu le dernier manuel de bonne conduite sur Terre et qu'il y a une soucoupe qui a atterri dans le voisinage. Moi, je suis pressé ce soir sur le premier, je cours et je tombe nez à nez avec un extraterrestre. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire comme attitude, comme pour exprimer que je ne suis pas forcément un ennemi? Est-ce qu'il est masculin ou féminin? Alors, cher monsieur, quand il y a deux intelligences qui sont face à face, c'est tenté qu'on puisse parler d'intelligence vous concernant. Mais bien, non, c'est une blague. Parce que quand je dis si tenté qu'on puisse parler d'intelligence vous concernant, ça veut dire vous et nous, les humains. Évidemment, on est tous... vous n'êtes pas maître du contact. C'est eux qui savent ce que vous avez dans la tête, ce qu'il convient de faire. Et d'ailleurs, on a beaucoup de témoignages en ce sens. Le fameux caporal Armando Valdés, si vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous allez trouver quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je crois que c'était en 79 que ce caporal chilien a été dématérialisé, puis rematérialisé sous les yeux de ses hommes par un objet volant non identifié. On n'est pas maître du contact. C'est eux qui sont maîtres du contact. Moi, je vais parler de trucs qui ne sont pas dans les bouquins, qui ne sont pas dans la presse. J'ai eu la visite il y a 2 ans d'un type qui était dans un des sites nucléaires du Dakota, vous savez, dans l'affaire de Malmstrom en 1967. Donc lui, il était en train de jouer aux cartes avec son copain lieutenant, et les types en surface disent « Mon lieutenant, il y a un ovni qui nous survole ». Alors il répond en rigolant « Empêchez-le de prendre l'ascenseur ». Ils sont devant une console où ils ont leurs 10 missiles et tac, 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 les 10 lampes viennent au rouge, tous les missiles sont no-go, etc. Tout est naze comme ça. Donc,
ils ont quitté leur faction, ils ont été réunis dans un grand hall, et ils discutaient entre eux, ils avaient tous plus ou moins eu la même histoire. Il y en a qui dit « tu vas faire un rapport, tu fous, attention à ma carrière ». Alors, ce que je suis, moi, le témoignage qu'il m'a apporté, parce qu'il a, ils ont témoigné ces gens-là, vous savez, à Washington Press Club, voilà. Il m'a dit en tête à tête, comme ça, qu'il avait été abducté, lui et sa femme. Lui était passé au travers de la porte vitrée, la femme était passée au travers du mur. Et alors, il m'a retéléphoné il y a 6 mois de la côte ouest américaine, en reprenant cette histoire, et un peu en me disant, vous à qui est arrivé une histoire de ce genre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'on est un peu déphasé, quoi. Tout d'un coup, on peut passer au travers d'un mur. Là, je vous donner une autre anecdote rigolote. Il y a quelques années, à un moment, on ne sait pas très bien par qui on était contacté, mais moi, je recevais des emails. Alors, ces emails, il y avait un message codé avec plein de lettres, etc. Et alors, on avait reçu un programme d'ordinateur. Il fallait prendre la ligne objet. Il y avait une suite de digits de 0 et de 1, puis on mettait ça dans le programme, etc. Puis on faisait tourner à ce moment-là, on avait un programme. Bon, moi, c'était pas tellement... Moi, je comprenais rien. Hein, c'était pas tellement intéressant. Et alors, à chaque fois, ça prenait du temps de décoder ces trucs-là. Puis, un an, 2 ans passent, et je reçois un message comme ça. J'en ai marre, je réponds, et ta sœur. Et par retour du courrier, j'ai le texte suivant. Nous sommes très étonnés par votre réponse, car à notre connaissance, aucune de nos sœurs n'est en contact avec vous. Alors, la dernière question. Bonjour. C'est pour savoir, tout à l'heure, vous parliez que... Vous parliez que la galaxie connaissait une accélération. C'est pour savoir si cette accélération était une répulsion ou une attraction. Ah, ça c'est pour toi. Alors je crois que quand il parlait d'accélération, il parlait de l'accélération de l'expansion cosmique. De toute façon, le truc qui a été décodé au mois de janvier, c'est qu'en prenant les mesures qui sont faites sur le fond de rayonnement cosmologique, vous avez tous juste cette espèce d'image en forme d'ellipse comme ça, avec des petits caca bleus et des petits caca rouges. Alors, les scientifiques n'arrêtent pas de décoder tout ça, et il y a une équipe qui a interprété ça comme un redshift, comme un mouvement. Alors, ils ont trouvé que notre galaxie se déplace, je crois, à 163 km par seconde par rapport au cosmos. Donc, on a enfin découvert l'immobilité. C'est-à-dire, si on prend une station spatiale et qu'on l'expédie à 63 km par seconde dans l'autre sens, elle est immobile par rapport au cosmos. Alors, en plus, notre galaxie, elle est attirée par un truc qui s'appelle le grand attracteur. Hein. Et puis, de l'autre côté, y a un great impeller, le grand repousseur. Et dans ce repousseur, il n'y a rien. Et moi, je sais qu'il y a, à ce moment-là, un conglomérat de masse négative. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais ça, j'ai écrit d'ailleurs aux chercheurs qui ont fait ça, ils n'ont pas répondu non plus. Voilà, merci à tous. Il y avait encore une question? Non, il n'y a plus de questions. Bon, comment? Il y a encore une question? Non, il n'y a plus de questions. Hein, s'il y a une question? Alors, celui qui a le micro pose la question. Vous faites passer le micro pour que tout le monde entende la question. Vous nous dites qu'on est susceptible d'avoir des visites qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais moi je me pose la question de savoir si toutes ces visites peuvent venir de civilisations qui peuvent être agressives vis-à-vis de nous ou bienveillantes. Ça, c'est une chose. Et je ne sais pas quelles sont les quelles sont les hypothèses qui peuvent être vues. Mais ça, c'est dans l'hypothèse où on a des civilisations qui sont plus avancées que nous. Et si un jour nous découvrions, nous terriens, une civilisation qui est moins avancée que nous, qu'est-ce qu'on pourrait penser du comportement de des gens qui nous dirigent ou des scientifiques? Mais ça a été étudié par des universités américaines. C'était mis dans des films, d'ailleurs. Il y a 3 hypothèses. Ou vous trouvez une civilisation qui est inférieure à la nôtre, ou nous trouvons une civilisation inférieure à la nôtre, auquel cas notre contact peut détruire cette civilisation, ou nous trouvons une civilisation qui est à peu près équivalente à la nôtre, auquel cas le contact est possible et il y aura un échange, ou nous trouvons une civilisation
qui est supérieure à la nôtre, à ce moment-là, on n'est pas maître du contact et c'est eux qui nous détruisent. Voilà quelles sont les réponses des universitaires américains qui ont travaillé là-dessus. Allez, une dernière question. Oui. Bonjour. Essayez pour savoir où vous en étiez dans l'affaire des humides. Voilà. Sors, mon joker. Alors, regardez les dernières pages du livre que vous avez acheté. Les 20 dernières pages, vous avez la réponse à votre question. Alors, une dernière question, allez-y, si vous avez le micro, vous le prenez. Depuis le temps qu'on lit dans les revues que la divulgation est en marche, qu'en pensez-vous, vous ? De la quoi ? Divulgation. La divulgation, ça ne veut pas dire grand-chose. On est en pleine divulgation, là, aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est une foutaise. Je veux dire, je me rappelle quand GEPAN ouvrait ses dossiers, puis après, vous voyez, les Anglais ont fait pareil, tous ces services, là, ouvrent leurs dossiers. Non seulement, ils divulguent rien, mais il n'y a rien. Ils n'ont rien collecté. Vous savez, par exemple, vous pouvez vous dire, mais les services français, ils gardent les choses secrètes. C'est pas vrai, il n'y a rien dedans. C'est tout. Oui. Non, ils n'ont rien. Ils n'ont rien parce qu'ils ont leur propre occultation. Ils ont tellement peur du sujet qu'ils s'en désintéressent, c'est tout. Bien sûr. Voilà. Mesdames, messieurs, merci d'être présents et nombreux. Bonne soirée et à bientôt. Je vous propose quand même d'applaudir très très fort nos deux conférenciers, Jean-Claude ainsi que Jean-Pierre. Qui ont fait le déplacement exprès, donc, et qui nous ont honoré de leur visite, et également aussi de leur savoir.